Bonjour et bienvenue dans Collective sur 121, avec trois parties pour cette dernière de la saison. Bonjour à tous, bonjour Greg. Tu vas bien ? Bien et toi ? On peut refaire un bonjour avec le micro ? Bonjour. Vas-y, je t'en prie. Merci, la technique. Inès, salut Inès. Bonjour Pierre. Tu vas bien ? Ouais, tu vas bien. Waouh, avec le soleil, ça te fait des belles boucles. Enfin, tu n'as pas de boucles, mais des belles couleurs blondes. Bah, merci. Ça te va très bien. Bonjour Hugo, avec des belles couleurs aussi. Coucou, bonjour tout le monde, bonjour à tes téléspectateurs. Inès, t'es mieux sans ton gilet, si je peux me permettre. Oui, alors drapeau du Portugal, fait, Inès. On va dire que. Ah, il y a tout là. Il y a le maillot de l'équipe de France. Il a Portugal. Il y a le Portugal. Bah... Eh oui, oui, la France qui joue ce soir à 17h contre le Pérou. On le sait bien. Et Émilie est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Émilie. En stage à la MJC, ça se passe bien ? Mmh. Alors tu viens là, brut pour. Tu viens d'arriver. Hein. Il manquait une place. Minot ne peut forcément pas être là, donc on t'a remplacé au qui-vive. Tu vas répondre à l'interview de Minot. T'es prêt ? Non, c'est une blague. Merci à Bruno qui est en technique. Salut Bruno. Salut. Peut-être on peut avoir un plan sur la technique avec, avec nos deux techniciens du jour. Bruno qui est à la technique et Kat à la vidéo. Et Will qui épaule tout ça. Et bien sûr Léa qui est avec nous, qui bouge la caméra. On la verra en partie 2 parce que, alors du coup, je vous explique tout. Je me charge de la partie 1 et après vous allez avoir un apéro live spécial fête de la musique pour la partie 2. Et la partie 3, ça sera la remise des cadors. On part sur la dernière de la saison avant de se retrouver le 20 septembre prochain. Tout un été sans voir Collectif, ça va vous faire du bien aussi peut-être. En tout cas là c'est la partie 1 et je peux vous déjà vous dire que vous jouez sur Facebook parce qu'on est dans la partie Coupe du Monde. On va jouer 30 minutes ensemble sur la Coupe du Monde. Et on va jouer avec les jongleurs. Ça, c'est notre fil rouge. Pour vous, vous pouvez gagner. Je vous le rappelle, on a posté une photo hier sur Facebook. Je vous le rappelle, vous pouvez gagner des t-shirts enfants Paul Pogba, des t-shirts adultes Griezmann Pogba et une powerbank de la région Normandie. On va vous montrer tout ça à l'antenne après tout à l'heure. Les t-shirts, la powerbank. Pour ça, il y a la cote des jongleurs. Alors, vous allez parier en fil rouge sur votre jongleur. Un seul nom par commentaire. Soit vous commentez le live Facebook directement, soit la photo avec la cote des jongleurs qui est sur Collective Facebook, Collective Web Radio. Je rappelle la cote de 4, elle est de 10. La cote de Greg, 4,5. La cote d'Inès, 8,20. La mienne est à 1,80. Hugo, 1,15 parce que c'est un gros joueur. Bruno, 2,10. Léa, 9,55 pour la cote. Et Will, 5,20. Ça veut dire que pour une cote en dessous de 2, donc un pari sur Pierre ou Hugo, vous gagnez un t-shirt enfant. Un pari sur Greg, Bruno, vous gagnez un t-shirt enfant et un t-shirt adulte car la cote est en dessous de 5. Et une cote au-dessus de 5 pour Kat, Léa, Will et Inès. Alors là, c'est grosse cote. Ça part sur Powerbank d'une bonne valeur. On va pas se mentir, offert par la région Normandie. Le t-shirt Pogba et le t-shirt Antoine Griezmann. Voilà, tout ça c'est dit. Vous jouez avec nous, vous commentez. Et puis on va passer à la première interview. Émilie, comment tu vas ? Il y a du vent. Il y a du vent. Alors chacun, comment vous sentez la Coupe du Monde, Émilie ? Est-ce que tu regardes la Coupe du Monde ? Un petit peu, mais pas beaucoup. Tu supportes qui ? La France. La France ? Bah oui. Quel est ton joueur préféré ? Et pas le plus beau, hein, le préféré. Griezmann. Ah bah forcément. Hugo, comment tu la sens cette Coupe du Monde ? Elle débute pas trop mal, hein, moi je trouve. Il y a eu des petites surprises et puis c'est toujours un moment. On peut dire ce qu'on veut, mais le football reste l'un des sports les plus populaires au monde. Ça rassemble les gens. Moi, pour avoir vécu des championnats d'Europe, des Coupes du Monde à l'étranger, en Allemagne, au Portugal ou encore ailleurs, bah, on peut se retrouver sur une plage à parler avec des Tchèques qui ne parlent pas anglais, à faire des dessins sur le sable pour essayer de se comprendre, faire des bisous à des Argentins, à des Hollandais. Donc tout n'est pas beau dans le football, mais c'est aussi un moment. Il y a le business, tout ça, on peut cracher dessus. Mais pour les gens qui le vivent et qui sont passionnés, ça rassemble les gens et ça reste un super moment humain. Voilà ce que j'en pense, moi, de la Coupe du Monde. Inès, vous avez le top player de la Coupe du Monde pour le moment, bah, Cristiano Ronaldo, hein, si. Comment tu la sens, cette Coupe du Monde? Bah... Élimination en 8e? Non. Ah, on espère. Bah, en fait, c'est un petit peu difficile de le dire parce que toutes les équipes que je pas attendais qui étaient dans la Coupe du Monde, à ce moment-là, elles sont vraiment fortes. Donc, je pense qu'elle va être une Coupe du Monde un petit peu différente, que ce n'est pas un pays qu'on vraiment connaît, qui va gagner. Mais voilà, on va attendre pour voir qu'est-ce que ça va donner. Très bien, on attend le 3-0 de l'Iran la semaine prochaine. Greg, tu vas bien ? Oui, très bien. Toujours ? Alors, ton prono, toi, ça serait quoi l'équipe, l'équipe qui va gagner. Aller les deux finalistes. Ah, bah, je suis français, donc forcément, je vois la France en finale. Mais derrière, toutes les grosses équipes, ils ont fait des matchs
pas satisfaisant pour moi, vu leur niveau précédent. Donc, très dur à dire. L'Allemagne a déjà perdu, l'Espagne a fait un nul, une victoire, c'est compliqué, ouais. L'Espagne très dur à dire quand même. L'Espagne est costaud, je trouve, dans le fond de jeu. Je pense qu'on va être surpris qu'une petite équipe en finale. La Russie. La Russie. Peut-être. La Russie. Coucou à Lily. Coucou à Lily, ils ont payé très cher pour organiser et pour payer les matchs. Ah bah j'ai plus de conducteur. On va le récupérer. Merci Emily. On devait parler aussi avec Mino du tournoi Corpo. On peut en toucher deux mots pour en faire un peu publicité pour le FCPA. Eh bah ouais, pour tous tes spectateurs, auditeurs, c'est demain, coup d'envoi à 19h. Les inscriptions sont quasi closes. Mino s'excuse de ne pas avoir pu être resté présent, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Il reste peut-être une place ou deux, donc si vous voulez vous inscrire vraiment au dernier moment, 06 82 30 39 01 06 82 30 39 01 Dominique Mongia, ancien président du club, organisateur du tournoi Corpo. Il reste peut-être une place pour une équipe ou deux là où, il commence à faire les tableaux, mais tout le monde est invité à venir manger une saucisse. Hein, on l'avait vu avec Cédric dans la matinale. Ça sent bon d'ailleurs là. Ça sent le barbecue autour de nous parce qu'il y a beaucoup de vent. Heure inhabituelle pour le live. Ouais, c'est pas mal avec le soleil comme ça. On dirait que c'est bien, c'est l'avant-match quoi. C'est en concurrence l'équipe. L'avant-match à 14h. Quel match d'ailleurs qu'on va pouvoir suivre? À 14h, je crois que c'est les opposants. Ils sont dans le groupe de la France, donc ça va être Danemark-Autriche. Danemark-Australie. Danemark-Australie. Australie. C'est les kangourous australiens. Danemark-Australie et voilà, à 14h et puis à 17h, bien sûr. France-Pérou. Et puis gros match ce soir avec l'Argentine. Argentine-Croatie. Mm-hmm. Un petit point sur vous sur Facebook. Vous rappelez aussi qu'il y a plus d'infos sur le FCPA sur Facebook. FCPA, FC Pays Aiglon. Ouais, c'est vous ça. Avez Football Club Pays Aiglon pour demain. Si vous voulez vous inscrire, entreprise, association. C'est ça. Alors les tournois corpo au début c'était peut-être que les entreprises et maintenant les associations. La MJC aurait pu faire une équipe, les équipes de copains. Je pense que c'est ouvert à tout le monde du moment que les gens ont l'esprit, qu'ils viennent pour s'amuser. Une féminine obligatoire dans l'équipe. Mais il peut y avoir aussi 6 filles et un garçon. Ça passe aussi. Il faut au moins un garçon ou au moins une fille. Voilà. Donc il faut poser un RTT, hein, tournoi corpo, mais ça tombe à vendredi en pleine journée. Il faut poser un petit RTT pour venir jouer. Je posais même la question de poser les RTT pendant les matchs de l'équipe de France. C'est possible aussi. Ou de l'inclure dans la dynamique. Heureusement, il tombe le samedi midi et le soir. Bon, on va passer au premier parieur pour le jongle. On vous rappelle, hein, pour parier les jongles, vous notez en dessous de la photo des codes des jongleurs votre joueur. Peut-être Facebook. Sur Facebook, on a déjà peut-être 2-3 trucs, Greg. Est-ce qu'on a des informations sur Facebook? Pour le moment, rien du tout. Très bien. Et bien, comme ça. En même temps, c'est pas une heure facile. Voilà. Bah non, les gens sont peut-être au travail. C'est ça. Ouais. Au travail ou en train de manger. En tout cas, vous pouvez. Alors, si vous voyez en replay, vous pouvez toujours jouer. On continuera les votes jusqu'à 20h à la rigueur. Greg, on tente le pari? Allez, c'est parti. Greg qui va placer le record pour le jongle. On rappelle la cote de Greg, elle est de 4,5. 4,5. Si vous pariez sur Greg, vous pouvez remporter 2 t-shirts. On peut peut-être se faire des paris entre nous aussi. Hein. Greg, je vais pas parier sur toi. Pourtant, je t'ai vu. 4,5, c'est parti. Allez. Et 2. Allez, allez, on fait. Deuxième essai. Un second essai, ouais, tout à fait. Parce que là, c'est pitoyable. 3. 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Bravo. 7 pour Greg. 7 pour Greg. Vous pouvez faire un cash out hein, pour Greg si vous voulez. Parce que là c'est compliqué pour la cote. Bon, merci en tout cas d'être avec nous pour ceux qui nous suivent. Midi 14h, on est ensemble avec vous. Partie 1, la Coupe du Monde. Partie 2, la fête de la musique avec notre animateur Bruno. Et puis la partie 3, les cadors avec le meilleur de l'année de Collective Web Radio. Toc toc toc. Qui est là? Ah non, c'est à toi de le faire. Qui est là? C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps qui? Didier Deschamps de la montagne à cheval. Didier Deschamps de la montagne à cheval. Alors le pari d'Hugo, on va vous le donner, c'est de faire l'entière liste de Didier Deschamps pendant tout ce live. Les 23 joueurs, les 23 noms. Et vous avez le droit de m'épauler et de m'aider si vous avez une inspiration qui vous vient, que vous soyez autour de la table ou devant votre écran. N'hésitez pas, toc toc toc. Qui est voilà, on va retrouver Inès juste après pour sa chronique. Bah, ouais, t'es prête? Et puis avant ça, on va s'écouter Zephyr Garden. Et on a Vincent Lardier qui parie sur Hugo. Vincent Lardier parie sur Hugo. Cote à 1,15 pour Hugo. Ah ouais, il faut. Donc c'est un... Pour que ça rapporte, il faut miser beaucoup. Donc Vincent, tu mets un bon 10 000. Pour gagner voilà. 5. Tout à fait, on va s'écouter Zephyr Garden. On revient juste après pour la partie avec Inès et sa chronique Coupe du Monde. A tout de suite sur Collective. On est ensemble jusqu'à 14h. Partie 1, Coupe du Monde. Partie 2, Fête de la musique. Et la partie 3,
les cadors pour la dernière. Shut my mouth, the words will still come out, even when you're around. These writings on the wall, they try to tell us all, confidence used to talk. I'm here locked in my cell, my little private hell, it's not my soul to sell. They tell us when to talk, but I'm all about the walk, I'll write my name in chalk. Burn these walls, burn them down, burn them down. Burn these walls, burn them down, burn them down. They got us all in cuffs, they think we've had enough. We're gonna show them up. When this city's burning down, they'll just take off their crowns. Then we will run this town. Tear these papers apart, this non-existent charge, we're broken, brittle lies. When this city's come to rest, we'll rise with nothing less, our future in our hands. Burn these walls, burn them down, burn them down. Burn these walls, burn them down, burn them down. Vous êtes toujours dans votre partie Coupe du Monde avec Collective Web Radio. Petit jingle. Est-ce que vous l'entendez? Oui, il arrive, il arrive. Attends. Ça vous rappelle quoi ce jingle? On va mettre le premier. Voilà ça. Est-ce que vous avez connu ça? Inès, t'as connu ça? Est-ce qu'il y a téléfootball au Portugal? Bah ouais, mais je pas connais. Greg, oui, moi je connais. Je connais pas. Hugo, ça dit quelque chose, forcément. Le dimanche matin. Le dimanche matin sur France. Sur TF1. Alors, les amis, chronique Inès, ça va arriver tout de suite avec de la Coupe du Monde. Et puis après, il y aura Hugo qui va mettre la barre très haute au jongle. Allez, Inès, c'est à toi. Bah, en fait, cette chronique. On a un petit jingle pour toi, tu veux ou pas? Ouais, je veux en Allez, jingle, on peut le vas-y. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Comment ça va? Comment ça va, Inès? Très bien, et toi? Tu vas bien? Bah, en fait, ma chronique, c'est dur là. Je pense que tu le sais. Bah, l'équipe que je suis un petit peu passionnée pour le football. Donc, On l'a vu hier. Hein. Bah, c'est vrai. Tu sautais partout pour le match du Portugal. Bah, c'est pas tout à fait vrai. J'étais. Bah, j'aime bien le football. T'aimes pas? Bah, donc, aujourd'hui, je vais vous actualiser un petit peu dans le score et qui est dans la tête du groupe. Pour savoir qui peut-être passe pour le qui est éliminé et qui est pas éliminé et voilà. Il y a déjà des éliminés. Oui, il a déjà. Bah donc le groupe A, on a Russie, Uruguay, Égypte et Arabie Saoudite. Bah après le 4 matchs, on a Russie, Uruguay dans la tête du groupe avec 6 points. Donc ça fait que Égypte et Arabie Saoudite sont éliminés. Ils sont déjà éliminés et le dernier match forcément entre Russie et Uruguay. Ce sera décisif pour la première place parce que je crois qu'en face, ils jouent l'Espagne ou le Portugal. Ouais. Bah, du groupe B, il a Portugal, hein, Espagne, qu'ils ont le même point, 4 points, sont le 2 dans la tête parce qu'un match nul. Un match nul, c'est gagné pour l'Espagne, pour le dernier match. Bah, c'est parce que Portugal joue Iran et il y aura forcément un résultat entre les deux. Ouais, ah. Donc on va voir. On a Maroc qui est déjà éliminé dans le groupe B.
Et après, c'est tout à voir Iran s'il passe ou passe pas. Et j'espère qu'il passe pas. L'Iran doit gagner pour être dans la forcément tête. Forcément gagner, ouais. 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 Ouais, ça fait, ouais. Groupe C, on a France, Dinamarque, Australie et Pérou. Bah, on a France et Dinamarque dans la tête du groupe parce que France gagnait 2-1 à Australie et Dinamarque gagnait 1-0 contre Pérou. Et donc le 2 à 3 points. Et bah, en fait, on va voir aujourd'hui qui passe et qui passe pas parce qu'il a, comme vous déjà dit, Dinamarque et Australie à 14 et France-Pérou à 17. Donc, on sera fixé avec une victoire et aujourd'hui pour ouais, déjà. Aujourd'hui, on va voir qui passe et qui passe pas. Exactement. Groupe D, on a Croatie avec 3 points qui gagne contre Nigérie. Et ensuite, on a 1 point avec Argentine et Islande en 1 point après un match nul. Et donc, le pénalty raté de Messi. Donc, qui a ravi les Portugais. C'est pas très bon pour Argentine, mais voilà. Groupe on a. De match de cette groupe, on a Serbie avec 3 points qui gagne contre, face à Costa Rica et Brésil et Suisse avec 1 point. On se fait agresser, on se fait agresser, dis donc. Ça devait arriver. Le camarade qui est tombé. Bah, en fait, les deux tombaient là. S'il tombe, il tombe à moi. Bah, je suis pas. Je pense qu'on peut dire que le Belge est moins solide que le Français. Bah, c'est ça. On va dire. Kevin De Bionde qui est tombé. Et on a Brésil et Suisse avec 1 point après son match nul. Groupe F, nous avons le premier et deuxième place, la Suède et Mexique, qui ont gagné pour 1-0 contre la Corée du Sud et l'Allemagne. Et j'ai un petit peu peur, désolé. Non, il ne va pas tomber celui-ci. Est-ce que c'est très aigué là. Ouais. Ok. Très aigué, il reste toujours comme un piqué sur un terrain normalement. Ouais, ok. It's okay. It's alright. It's gonna be just fine. Donc, le groupe G. On a l'antenne, Inès. Hein. Ah ouais. Ok, désolé. Hein. Groupe G, on a Belgique qui gagne au Panama pour 3-0 et Angleterre 2-1 face à Tunisie. Première et deuxième. Et première place, c'est à Belgique et deuxième à Angleterre. Et on a Tunisie et Panama comme presque éliminés avec 0 points. Et pour finaliser, dans le groupe H, il y avait juste un match. Il a juste un match pour maintenant, donc on ne peut pas trop parler. Mais Sénégal gagnait contre Pologne. Pologne. On va dire bonjour à tout le monde. Bah, ouais, ouais. Et Japon gagnait. Bonjour aux Italiens, Tobia, qui nous regarde devant. À Thérèse et Antoine. Un petit coucou. Teresa et Toana, ouais. La Turquie n'est pas là non plus, mais. Toana est avec Tobia. Ouais. Ok. Ensemble, en train de regarder l'équipe de France. et pour finaliser, on a Japon et Sénégal avec 3 points, et voilà, c'est tout. Là, vite fait. Merci Inès. Est-ce que vous saviez, alors pour l'anecdote, qu'en 1998, Israël a remporté l'Eurovision, comme en 2018 cette année, que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions en 98. Comme en 2018 cette année. Comme tous les il jours. Y a un sommet sur l'environnement qui n'apporte aucun résultat en 98. Comme en 2018 cette année. Il y a un record de chômage en Europe en 98. Comme en 2018 cette année. La Catalogne réclame son indépendance en Espagne en 98. Comme en 2018. Michel Drucker anime vivement dimanche. Comme en 2018. Beaucoup de choses laissent à penser du coup que la France pourrait être championne du monde. Comme en 98. Comme on est sur collectif sur son 21, qui était le numéro 21 en 98 de l'équipe de France ? C'était j'ai pas la réponse. Monsieur Oula. Christophe Dugarry. Christophe Dugarry, qui est le 21 cette année ? Je l'ai pas. Et bah, le premier téléspectateur qui répond sur Facebook gagne un t-shirt. Ton numéro 20, je crois. Allez, un t-shirt pour le numéro 21. On prend, on est preneur. La relève de Christophe Dugarry. Eh bah, Hugo, c'est à toi ? Pour le jongle, tu vas mettre. Alors il faut battre 7 pour prendre la tête du classement. J'espère que je vais faire honneur à. C'est Vincent, hein, qui a misé une pièce. Voilà. Merci Vincent. On rappelle la cote d'Hugo, je l'ai sur les yeux, 1,15 pour Hugo. La cote de Greg est à 4,5. Si vous misez Hugo, vous remportez un t-shirt enfant, à condition qu'il gagne. C'est grand pari de jongle. Tu démarres comme tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, oh là là, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Oh là 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 là! On a senti qu'Hugo a abandonné pour pas faire toute l'émission les 2 heures là-dessus, on pouvait aller jusqu'à 1000. Ça fait 42 ou 32? 42. 42. 42 pour Hugo. On vous rappelle, là, il faut pas faire de cash out sur Hugo, faut bien garder sa cote. Vous pouvez miser toute la journée, hein. Enfin, tout pendant 2 heures. 4, cote de 10. Qui va même pas jongler, donc ça sert à rien de parier pour 4. Bruno qui a une cote de 2,10, il va y aller juste après pour tenter son jongle. Hugo qui a une cote de 1,15. Greg a une cote de 1,5. Donc Greg battu, ça sert à rien de parier pour Greg. Voilà. Inès, 8,20. Inès, tu vas parier tu vas tenter ta chance ? Je crois pas. Je crois tu crois pas. Pas. Léa, 9,55. Est-ce qu'on devrait tenter ta chance ? Pierre, 1,80. Will, 5,20. S'il veut tenter sa chance. Will, tu veux y aller tout de suite ? Allez Will, allez, on tente. Cote de 5,20 pour Will. Petite musique en fond. Petit point com en attendant qu'il se place. La cote de 5,20 pour Will. Le record à battre, 42. On a Vincent Drouin, que je fais un petit coucou, qui nous dit... Ça fait 1 pour Will. Allez, deuxième essai. La France vainqueur, 3-0. Attendez, c'est le point com, c'est le point com. 1, 2, 3, 4, 5. On le fait après. 5 pour Will. Après, ça ira. Ça cote, 5 pour Will. Allez, grosse cote. 5 fois. Greg, on a du nouveau sur Facebook.com. Du coup, on a Vincent Drouin qui nous dit France vainqueur 3-0 contre le Portugal en finale. Quoi ? France vainqueur 3-0 contre le Portugal en. Inès est d'accord. Bruno, je te laisse prendre la suite. Ouais, on va s'installer pour les jeux de la barre pendant que vous commentez sur Facebook. Donc là, je vais jongler. excusez-moi, je me suis trompé. Alors oui, le plateau va se déplacer. J'avais un petit intermède si tu voulais, Bruno, si t'as le juste avant de te prendre la main. Et puis effectivement, faut suivre Pierre, le plateau. Vous le laissez pas tout seul. Il faut suivre Pierre. Vous avez pas compris. Inès, faut y aller. Il y a tout le monde. Ah, Emily, Greg, moi je vais juste vous rejoindre. Je fais un petit check à mon collègue et ami Bruno. Inès. Toc, toc, toc. Qui est là ? Et c'est Nzuzi. C'est qui, Nzuzi ? Nzuzi qui ? Nzuzi. Pourquoi pas Libellule ou Tartan Pur ? Non, c'est Nzuzi parce que... Tout, vous saurez tout sur Nzuzi. Le petit, le gros, le nanana. La 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 la. Le petit joufou. La 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 la. Bruno, je te laisse la main. Je pense que nous pouvons admirer la concentration de nos joueurs pour cet atelier du toucher de barre. Alors il y a Pierre, Émilie, Greg, Inès et Hugo qui se dirigent vers les ballons. Donc on a placé les ballons à une certaine distance du but. Il va falloir essayer de toucher la transversale. Est-ce qu'on les a bien dans le cadre ? Oui, impeccable. Donc, vous voyez, ils sont assez loin quand même, c'est pas si évident. Alors, qui commence en premier ? Pierre ? Ok, Pierre commence en premier ? Attention, quand tu veux. Et c'est au-dessus, dommage. Bien tenté. Alors juste après. Émilie juste après. Alors attention, Émilie s'élance. Ah, c'est cadré, mais c'est en dessous. Donc pour l'instant, personne n'a touché la barre. Hein. Pierre, Émilie, éliminé. Enfin, éliminé, non pas touché. Greg, à toi. Ouh, Greg, juste au-dessus, c'est pas mal ça. Attention, Inès, fais honneur au Portugal, Inès, allez, vas-y, quand tu veux. Oh, le pointu. Eh bah, c'est dans le but. Alors, Hugo, attention, là. Non, mais non, c'est mort plus vite après. Hein. Ah, Hugo, en dessous. Mort subite maintenant, alors ça recommence de Pierre. Est-ce que les ballons sont prêts? Et Pierre, ça touche. Bien joué! Pierre pour l'instant est sauvé. Pierre est sauvé, il a touché la barre. Alors, Émilie, à toi maintenant. Et c'est en dessous. Alors, Greg. Greg, c'est en dessous. Inès, toujours en dessous. Alors, pour l'instant, il n'y a que Pierre. À toi, Hugo.
En dessous, toujours. Bon, et bah, félicitations, Pierre. Unique vainqueur pour l'instant du jeu de la transversale. Ah, on se rapproche. Alors, on rapproche les ballons pour plus d'évidence, j'ai l'impression, de tir. Je ne suis pas tout à fait au courant de ce qui se passe, alors j'essaye d'anticiper la situation. Alors non, on recule encore. Ah, c'est un cul rouge. Attention, alors Greg, penche-toi bien. Est-ce que tu peux zoomer les fesses de Greg? Et personne ne touche Greg, malheureusement. Dommage. Mais beau joueur. Ah oui, c'était le seul à pas l'avoir mise dans le but, c'est pour ça. Enfin, c'était le plus haut. Merci Bruno. Tu animes ça comme une foire à la saucisse, j'adore. Bah non, j'étais sur les jingles, je suis hyper j'ai pas... bien. Il y a Will qui doit commencer à lancer le barbecue pour les saucisses d'ailleurs. Ah. Ah, Greg qui perd ce jeu de la barre. Bon, mais, merci en tout cas. Les fesses sont intactes. Greg, oui. Tu vas pouvoir te reprendre parce que c'est l'heure de ton quiz. C'est l'heure de mon quiz. Et je crois que tu vas nous proposer quelque chose de pas mal. Le temps qu'on reprenne notre souffle. Oh. Ouais, live, hein. Alors, j'ai jamais chanté au Portugal. On est parti pour le quiz. Ouais. Donc, j'ai préparé un petit quiz sur spécial question Coupe du Monde. Super. Donc, ça peut être Coupe du Monde des années passées, de très loin, qu'on se souvient plus du tout. Mmh. Et les auditeurs peuvent jouer avec nous. Donc, je vous invite à écrire vos réponses si vous pensez avoir la réponse. Première question. Le but le plus rapide jamais marqué. 4 secondes. 4 secondes c'est Bruno. Je sais pas 4 secondes, mais je vais vous faire 3 propositions. Moi. Ouais, des propositions. On a 9 secondes, 11 secondes ou 13 secondes. Ah. 11. Et on a le joueur ? 11, c'est possible. Le joueur, c'est Hakan Şükür. Hakan Şükür, un Turc. Turquie, Corée du Sud en 2002. Alors, c'est pas 13. C'est pas 13. C'est 11. C'est 11. C'est 11. 10,8 secondes, pour être précis. Engagement, tir, but. Ça va pas loin, un... sans bavure. Comme quoi, quand la Turquie est qualifiée, c'est propre. Hein. Yes. En 11 secondes, ça suffit pour une Coupe du Monde. Alors ensuite, est-ce que vous pouvez me donner les 3 joueurs ayant participé à 5 Coupes du Monde? Alors, il y a Cristiano Ronaldo. 5 Coupes du Monde? 5 Iniesta? Non. 5. Lionel Messi? Non. Il y en a un actuellement Pelé. Qui la joue cette année-là. Non. Maradona. Pelé, et pas? Ah non. Maradona? Non. Socrates, Zico? On a un que l'équipe n'est pas sélectionné cette Buffon. Année. Voilà, déjà on a Buffon. Ah, ouais. Ça va être que des gardiens, parce que pour faire 5 Coupes du Monde. Ensuite, on a un 4. Allemand très célèbre. Neuer. Beckenbauer. Müller. Neuer. Matthäus. Matthäus, Lothar Matthäus. Ouais. Et le dernier, Antonio Carvajal. Ah, Carvajal en ce moment? Non, Carvajal. Ah, Carvajal. Ah, j'avais dit, il est jeune. En 1960. 5x4, 20 ans au plus haut niveau, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, Mbappé, s'il reste au top niveau, normalement, il pourrait en faire 6. Jusqu'à 6. 5, 6, ouais. Pas mal. Troisième question. Pour vous, c'est quoi le plus grand nombre de buts en un match avec les deux scores des deux équipes? Bah, c'est pas le Brésil, Allemagne, Australie contre je sais plus quel. Je pense qu'il y a eu des 8. J'ai rien compris, des doudounes sévères. Hein. D'ailleurs, je mets le 7-0 sur Angleterre-Panama. Hein. J'ai 3 propositions. Déjà, je peux vous dire que c'était entre l'Autriche et la Suisse. Ah bah non, bah donc c'est soit 8, soit 10, soit 12. En but d'écart? Non, but les deux buts. C'est possible. Il y en a déjà 8 de, avec 8, 2, 9, 1, 12, 7, 3. Donc on a quoi? Pierre 10, qui dit 12, 12 10, Hugo 18. Bah 10. Et bah c'était 12. 12, bravo. Et sur Facebook? Toujours 12. Toujours 12. Donc il y a eu 7-5. Il y a Clémence qui avait dit 12 aussi. Très bien, Clémence. Bravo à toi, Clémence. Tu es qualifié. On compte tous vos petits points quand vous gagnez dans les jeux, puis on fait un total à la fin. N'hésitez pas à jouer. Ensuite, le meilleur nombre de buts pour un seul joueur en un match. Ça vient d'un Russe qui s'appelle Oleg Salenko en 94. 4 ou 5, je pense. Le nombre de buts en un seul match? Ouais, j'ai 5, 6 ou 7. 7. Ah, 5. 7 Inès, 5 Hugo, Pierre. Bah, 5, ça a été fait, donc je dirais 7. C'est 5. C'est 5 5 buts. En un match. 6 et 5 buts du joueur. Ah oui, pardon, mais j'étais pas. On parle que de la Coupe du Monde. Ouais, oui, on parle que de la Coupe du Monde. J'étais sur Lewandowski. Ensuite, le plus jeune joueur ayant jamais joué en Coupe du Monde. Pelé, 16, 17 ans. Alors il s'appelle. Pas cette année? Non. C'était en 1982, un Nord-Irlandais, Norman Whiteside. 15 ans.
Donc j'ai soit 17 ans, 1 mois, 6 jours, 17 ans, 9 mois, 14 jours, 18 ans, 2 mois, 11 jours. 17 ans, au milieu. En milieu, oui. Okay. Hugo, pareil. Le premier. Ouais. Ah bah c'est le premier, plus jeune. 1 mois, 6 jours. 17 ans, une Coupe du Monde, c'est beau quand même. C'est beau, Kylian Mbappé est le deuxième plus jeune cette année. Nigérian qui est plus jeune que lui. Et le gardien le plus vieux ayant jamais joué une Coupe du Monde. Bah Buffon. Comment ? C'est pas ça ? C'est pas un nom un peu asiatique ? Non. Chilavert ? J'accepte deux réponses. Ouais. Higuita. Du coup, 41, 42 ou 43 ? Oh, 43 ans. 43 ans, ça va, 43 ans un gardien. Alors, c'est du coup, à 43 ans, il y a Farid Mondragon de Colombie en 2014, mais il n'a pas joué de match, il était juste sélectionné. D'accord. Et sinon, 42 ans, et lui, il avait joué en 94. Et il a roulé un dragon. Quel pays ? J'ai pas le pays, malheureusement. Et cette année, il y a un gardien, je ne me risquerai pas à essayer son nom, et Samuel Adari, ouais, je pense à peu près ça, qui pourrait battre le record, il a 45 ans. D'accord. Et il joue avec quelle sélection ? Égypte ? Je crois que c'est Égypte, ouais. Le plus petit nombre de buts pour une équipe qui a remporté une Coupe du Monde. En tout. Tous les matchs de poule jusqu'à la finale. Ouais, elle a dû faire des 0-0. Ah, elle est capable d'avoir 4 buts. Pour 1 euro, j'aurais dit le Portugal qui gagne en faisant 2-0-0. Voilà. Ouais, je pense qu'ils ont 4 ou 5 buts. Pas du coup, plus. J'ai 8, 11, 14. 8. 11. Bah 8 alors. Bah 8, ça veut dire un but à chaque match. Et bah c'est ça. Dans les poules. Même en plus. Ah ouais, en plus 0-0. Ouais, Italie ou Allemagne, je sais plus en quelle année. C'est ça, 8. L'Espagne en 2010. Elle a perdu son premier match contre la Suisse et ensuite 1-0 à tous les matchs. Ah, donc. Elle perd le premier et on parle de, 15-0, de leur attaque. Ouais. Merci Costa. Le nombre maximum de buts marqués pendant le final. 4, 5 ou 7. 7. Et oui. Ah ouais, 5 ou 7, ouais, Brésil et Suède en 58. 5-2. 5-2, la Suède a été en finale et a marqué 2 buts au Brésil quand même. Pas facile pour se reconnaître avec les maillots, mais. Avant-dernière question. Le nombre de victoires successives pour Ronaldo. Pas le Ronaldo que Inès connaît, le Ronaldo brésilien. Le vrai. Le vrai. Le real Ronaldo. Donc, en cumulant les Coupes du Monde. Ah, c'est-à-dire, il a pu 2014, gagner une finale 2014, et après ça a continué. Une vingtaine. J'ai 9, 11, 13. Ouais, parce 11, qu'en 94, 11. Il était déjà là, non ? Ouais, il était là. Aux mais il aux perd la finale 98. Voilà. Ouais, donc ça fait donc tout ça. Le compteur revient à 0. Donc ça fait 7. Ouais, donc ça fait 2 Coupes du Monde complètes sans la finale. 10, 11, 12. 11. 13. 11. Ouais, on est à 11. Entre 2002 et 2006. Ah bah non, bah c'était pas celle-là. Ouais. Ok. Et c'est, ensuite. C'est vrai Didier Roustan de collectif. Qui ? Greg ? Greg, ouais, c'est Didier Roustan. Voilà, le président. Le président. Président à vie de collectif. Et ensuite, pour finir, dernière question. Le plus grand nombre de buts pour un joueur en une Coupe du Monde. Une Müller. Seule Coupe du Monde. Ah bah non, Copa, c'est Papin. Papa. Copa, 13. C'est Fontaine, juste Fontaine, 13. Juste Fontaine. 13. 13. Ouais. Allez, peut-être Cristiano cette année va tenter avec 4 peut-être buts déjà. De le... 4 mais buts déjà. C'est un record qui restera. Ben, le problème, c'est qu'il a que 3 matchs pour marquer 13 buts. Mais ce sera battu peut-être parce que je crois que la prochaine Coupe du Monde, il y en a une, elle sera avec plus de clubs encore. Ouais. Et du coup, ah, effectivement, ouais. Ce record-là pourrait être battu dans le temps. Parce qu'il y aura plus d'équipes, plus de matchs. Et on parle coup, de 64 équipes au Qatar déjà. Ouais, c'est. Dans des stades climatisés. Ça va faire 2 mois de Coupe du Monde. En novembre 2022. Et voilà, c'est la fin. Merci Greg. Bruno, tu tentes ta chance aux jongles. On rappelle les jongles, vous pouvez parier sur Facebook. Vous pouvez gagner un t-shirt Paul Pogba pour enfants, un t-shirt Antoine Griezmann pour adultes et une powerbank de la région Normandie. Vous pariez dans cette première partie du live sur 121. Je vous rappelle les cotes. Est-ce que je les ai sous les yeux ? Je vais vous les trouver. Voilà, non. Les cotes. 4-10, Hugo 1-15 qui a mis la barre très très haute à 42. Et Bruno, sa cote, elle est à 2-10. Bah écoute, j'y vais, je me lance. Allez Bruno, c'est parti. Tu te mets un petit jingle ? Yeah ! Et on a Marie Pilou Pilou qui nous dit le numéro 21, c'est Hernandez. Hernandez Lucas. Cette année, merci, elle a gagné un t-shirt. Qu'est-ce que pas pour gagner des t-shirts, Marie Pilou Pilou. Le seul espagnol de la sélection française. Quatre. Oh, il a droit, il recommence. Ouais, ouais, faut chauffer. En toute 5, on peut recommencer. Ah, ouais. Dès qu'on démarre 5, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24. Oh là 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 là. 24, vous pouvez faire un combiné. Hugo en 1, Bruno en 2. Là, c'est une patte gauche. Quelle patte, quelle patte. Avant de passer au jeu du parcours qu'on va pouvoir montrer à l'antenne si on peut. Le jeu du parcours, qui on va vous l'expliquer tout à l'heure. Un par un, on va passer au parcours. Chronomètre. Là, vous pouvez parier. Pareil, sur votre meilleur parcours. Et puis avant, on va s'écouter Christine and the Queens, Paradis perdu, le remix d'Adrian Storm. Et on revient pour la dernière partie de la première partie. Toc, toc, toc. Ah, qui est là? C'est Olivier Giroud. Olivier Giroud qui Olivier Giroud, au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. On se la refait avec Bruno. Oh, Giroud, au bout de mes rêves. Ça fait hey trois déjà. Allez, karaoké. Allez, c'est parti. Allez, on... Giroud, au bout de mes rêves, cet après-midi à 17h avec Olivier Giroud. 17h, oui, Olivier Giroud, bah enfin, c'est les... enfin titulaire. On va pouvoir écouter Christian the Queen's Paradis perdu d'Adrian Storm, le remix. Et puis, s'il n'y a pas de musique, on passe directement au parcours. Ah, mais coup, est-ce qu'on parle de la compo de Deschamps? Allez, on parle de la compo de Deschamps. Bah, Matuidi est lié. mais on peut débattre, alors on va pas faire l'équipe 21. Mais du coup, c'est vrai qu'il se fait vachement critiquer parce qu'il a mis Matuidi à ce positionnement-là. Mais moi, je trouve que ça me fait penser quand Deschamps il faisait ses équipes avec Sissoko, oui, qui est un milieu excentré, du coup, qui était assez puissant et qui avait ce rôle-là. Même s'il faut pas se mettre en fonction de l'équipe adverse, c'est vrai qu'ils ont un arrière latéral droit au Pérou. Et tout un côté droit qui est prédominant sur leur équilibre d'équipe. Donc je pense qu'il fait ça aussi un petit peu pour ça. Donc c'est plusieurs choses qui se mettent bout moi, à bout. Moi, me donne envie cette équipe. Ouais, moi aussi. Ouais. Et pour info, sur c'est le 14e match officiel en match officiel Coupe du Monde de Deschamps. C'est sa 12e équipe différente. Donc dans tous les cas, il est habitué à nous la faire. Voilà. Ouais. Et pourtant, ça fait un bel euro, souvenez-vous. Bah, bien sûr. Alors pourquoi pas une finale cette année? Allez, confiance, the Queens. Il est mieux placé que Paradis perdu. Et on revient juste après sur Collective Web Radio. La page Facebook avec la fin de la partie 1, le parcours, les jongles. Et puis après, la fête de la musique ensemble avec Bruno.
De retour, chers téléspectateurs de Collective, pour la troisième partie du jeu du foot. Alors, c'est maintenant l'heure du parcours. Alors, Pierre, est-ce que je fais un petit rappel des règles ? Donc alors, si on voit bien, il y a une petite pancarte en face de nos trois joueurs, à côté des ballons. Il faut taper dans la pancarte, prendre le rebond en reprise directe pour l'emmener dans les petits cerceaux là-bas. Du plus grand au plus petit, ça rapporte des... c'est un bonus de temps de 2 secondes. Ensuite, une fois qu'on a passé, on voilà, comme le montre Hugo, on fait le parcours, on se lève entre les poteaux et fallait tirer le ballon dans le but sans dépasser les cerceaux. Et si on loupe, c'est une pénalité de 5 secondes. Donc est-ce que vous êtes prêts ? Qui commence ? Ah mais vous partez pas en même temps quand même ? Ah, en même temps, d'accord. Alors, vous êtes prêts ? Je donne le 3-2-1. 3, 2, 1, go ! Bon alors, comment dire ? Il y a eu des ballons non homologués qui sont apparus sur le terrain. Alors, on a loupé des portes. Oula, et on vise la caméra. Alors, pour l'instant, les deux... Ah non, tout le monde a loupé. Hugo, il est passé à côté, le tien. Bon, bah, ni de bonus, ni de malus, parce que j'avais pas trop suivi ce qui s'est passé. C'est allé un peu loin. Alors, retour antenne, c'est bon, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt ? Everybody is ready ? Everybody is ready. Ok. Allez, je me tente au jongle maintenant, et après, on passe à la partie 2. Bruno, t'es chaud ? Eh bah écoute, oui. Allez, on se tente au jongle. 42 à battre, ça va être compliqué. Allez, alors là, la côte de Pierre et à... Côte de Pierre. Elle est à 2-10. Il est à 2-10, Pierre. Alors, il faut le rappeler, un produit du centre de formation de la Beaujoire, les Canaries. Il a fait toutes ses premières années footballistiques avec Jean-Claude Chiodo, pour vous dire. Et on a une cote à 1,80 pour Pierre. 1,80 pour Pierre, attention, c'est un client sérieux. 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Hors champ. Allez, un deuxième essai pour Pierre parce que c'est un candidat sérieux. Ça va, vraiment. Yes. Bon, les amis, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie, la fête de la musique. C'est Bruno qui va prendre les rênes. On va sur l'esplanade à Paris, c'est ça, on change complètement. Voilà, on part sur les Champs-Elysées, on réinstalle le studio. Nous avons 8 minutes pour réinstaller le studio. On va vous laisser 7-8 minutes du coup, on revient tout de suite, on vous laisse avec une musique plutôt sympa que Bruno va vous présenter. T'as la bonne hein Bruno là. Bah écoutez, ça va être Zephyr Garden. Ouais, super. Avec un remix de Le Vent nous portera. Et bah voilà. Super. On écoute ça, on installe le plateau, on se retrouve pour la partie musique, tout à fait. Okay, et puis restez jusqu'à la fin parce que partie 3 on va vous remettre des cadeaux. Des cadeaux, tout à fait. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Aïe. Can be my rally car. If you lead, the direction follows. If you leave, then I'm filled with sorrow. If you love, you won't see tomorrow. If you go, then I have to borrow. Love, love, love. When you ask me what was peeling, I will give you smothered. When you ask me what I conquered, I had given up my father. How did she go back to slutty? I can't get my mind off money. Lovely taste of bitter honey. All her calls were distant pity. Love, love, love. Shattered lights in the dark, hear the sadness of my heart.
You can be my weightless hover. You can show me how you stutter. You can be my bread and butter. You can be my erotic supper. If you ask me, I'll deny it. If you get shy, I'll supply it. If you could, I'd owe my diamond. If you're so real, you're a goddess of love. 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 Thank you.
le vent l'emportera. Pas peur de la route, trop de vent, pour quand les gouttes de demain recouleront, tout ira bien. Le vent l'emportera. Pas peur de la route, trop de vent, pour quand les gouttes de demain recouleront, tout ira bien. Vous êtes avec Alexis Moncorgé sur Collective. Salut à vous, bande de jeunes. Collective, on verra. Alors, est-ce qu'on est bon de retour, chers auditeurs, téléspectateurs? Faut que j'arrête d'être auditeur, on est en télévisuel aujourd'hui. Donc, dans le Sur son 21 spécial Coupe du Monde, fête de la musique et dernière partie après la remise des Cador. Alors, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. Alors, Pierre, tu m'as remplacé au pied levé à la technique. En quoi es-tu déguisé? En quel chanteur? Alors, salut! C'est Frérot La Vega! Ah, c'est ça? Qui a mangé l'autre? C'est ça que tu me dis? Qui a mangé l'autre? Fallait rien dire, j'ai perdu le casque! On allait le deviner tellement c'est évident! Vision de Woodstock! J'ai le cœur éléphant aujourd'hui! On aurait pu trouver quelqu'un d'autre, c'est vrai. À toi, c'est en. Pas Frérot de la Vega, c'est vrai qu'avec Woodstock, je suis sûr que tu peux nous en trouver. C'est le petit Hendrix là-bas, avec ses cheveux longs, bandana et tout. Ouais, il y a de ça. Ça lui plaît. Après, on peut le faire en musique, on peut le faire en cinéma, on peut le faire. On peut le faire partout, c'est vrai. Alors, à ma gauche, Katharina alias Nekfeu pour le coup. Yeah, yeah, Nekfeu. Nexan, Orelsan, Nekfeu. On verra. Juste à côté, alors Léa qui s'est reconvertie en Orelsan à son époque du premier album, les cheveux c'est très moi. Très courts. Voilà, enchantée. Ouais, qui a fait cette coupe spécialement pour là, pour se mettre en Britney Spears. Exactement. Ma grande passion. C'est de son plein gré. Bah, après, c'est de son plein gré. Si je peux me permettre, moi je pense que ça pouvait être un bon sujet. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu l'as fait, je vais poser la question, mais à un moment il y a une cause qui s'est mise en route où les gens qui pouvaient couper leurs cheveux pour soutenir effectivement la lutte contre le cancer tout simplement, et avec la teinte des cheveux pour les récolter et pouvoir les donner. Mais j'ai donné mes cheveux. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, il faut le souligner, le dire. Et on peut continuer à le faire. Bah, là, je ne peux plus trop, mais oui. Non, non, pas toi, mais les gens peuvent, les téléspectateurs, auditeurs peuvent le faire. Tu coupes tes cheveux, il faut une certaine longueur. Ouais. Et tu les envoies à une association qui prend les cheveux. Moi, j'ai envoyé mes cheveux à une association en Belgique qui prend les cheveux colorés parce que je veux les cheveux colorés. Et voilà. Il faut préciser en Belgique parce que c'est pas autorisé en France. La France ne le fait pas. Voilà. La vilaine France. Donc voilà, il faut juste couper ses cheveux qui sont en assez bon état, on les envoie. D'accord. Allez, c'est parti. À ma droite, Pierre. Hugo déguisé en chanteur country. Non, je peux te donner un indice. Vous l'avez avec le plan large, je ne sais pas sur quel plan vous êtes à la Réal. La Réal n'est même plus là. Voilà, c'était un petit indice avec ça pour faire office de botte. Le chapeau n'y était pas pour rien. Je pouvais aussi enlever mon chapeau et puis montrer ma queue de cheval. Pour Katharina, ça va être dur. Ignace aussi. Léa, je ne sais pas. Francis. Francis Lalanne. Très bien. Alors, je propose de passer à la première partie. C'est la playlist du moment. Car la vie suit son cours. Cool. Et l'on est tout heureux d'être amoureux. Si vous êtes intéressé par la musique de ce jingle, c'est Freddy Joachim Binoculars. Alors, on commence par la playlist du moment. C'est bien ça. Non, non, c'est la playlist sport, mais on peut. La playlist sport pour la transition. Pour la transition, on parle de sport et donc. Mon petit bébé est tombé.
Attention. Si c'est alors, bien là, comme ça, les... Katarina, pour toi, pour faire du sport, tu écoutes ça. Ah ouais, moi j'écoute ça. On fait un petit blind test pour ceux qui. Je me rappelle plus tout. Mais ça, c'est assez connu quand même. Je crois que tout le monde connaît. Non ? Oui, c'est connu. Ouais, parce que ça, c'est mon adolescence. Ça reste toujours. D'accord. Alors, un petit zoom pour ça. C'est Prodigy Invaders Must Die. Non, Invaders. Invaders Must Die. C'est ça. C'est pas de l'endurance que tu fais. C'est du free fight. C'est de l'aérobox. C'est quel sport ? C'est quel sport ? Mais ça arrive. En fait, je cours avec la musique comme ça, mais. Tu dois courir super vite. Ouais. En fait, non, ça motive, ça aide. Super longtemps ? Super vite, oui, mais super longtemps. Faire des sprints. Non. Pas longtemps, quand même. Alors, toi, Léa, pour faire du sport, tu écoutes ça. En fait, nous, on est en mode. Ouais, c'est les deux classiques. On peut faire une équipe. Léa avec le poids lourd. Hey. Des pompes de sang. Le fameux Eyes of Tiger de Survivor. Après, c'est bête, mais c'est vrai que ça donne envie tout de suite de. À une esquive, d'avancer, de courir, de faire de la corde à sauter. Corde à sauter. Je veux monter des marches. Alors toi Hugo, pour faire du sport, t'écoutes ça. Alors est-ce que tu peux... Ouais. Peut-être... Ah oui non, on ne peut pas avancer dans la musique. Elle est un peu longue à démarrer du coup. Vous l'avez au départ, non. Elle n'est pas coupée sur... Non parce qu'elle est dans la palette, on ne peut pas... D'accord. Mais si je peux faire un petit speech sur la fête de musique, le temps que la musique d'Hugo se lance... Ouais, c'est très bien. Et alors, puis je peux vous en parler aussi après. Merci Pierre pour les infos. En octobre 1980, Jack Lang, ministre de la Culture, nomme Maurice Fleury au poste de directeur de la musique et de la danse. Maurice Fleury applique ses réflexions sur la pratique musicale et son évolution et pose les fondements d'une nouvelle conception. La musique sera partout et le concert nulle part. Il évoque une révolution dans le domaine de la musique qui tend à faire se rencontrer toutes les musiques sans hiérarchie de genre ni d'origine dans une commune de recherche, ce qu'ils appellent une libération sonore. Une ivresse, un vertige qui sont plus authentiques, plus intimes, plus éloquents que l'art. Alors moi je trouve que c'est une des plus belles initiatives au monde que cette fête de la musique. D'ailleurs j'aimerais bien qu'il y en ait tous les mois, mais c'est vrai que ça perdrait de son charme aussi. C'est pas faux non plus. Ouais, quand tu me disais ce matin quand même, la fête de la musique c'est le moment où il y a tout le monde qui essaye de faire de la musique, qui tape de maracas. Des fois tu assistes à des DJ ou des groupes qui sont pas tout à fait au point sur les... Sur les répétitions, c'est marrant, mais voilà, c'est un esprit de fête, de bonne ambiance, c'est cool. C'est une anecdote, mais du coup, un petit clin d'œil, on l'a déjà eu comme invité, il y a Eric Romain qui s'occupe du Handaleg. C'est son anniversaire aujourd'hui, il est né un 21 juin, donc on lui fait un petit coucou, et j'en parlais avec lui parce que tous les ans, lui, pour son birthday, c'est... Ah oui, bah oui, c'est la fête partout. Exactement. Donc Hugo, toi tu écoutes ça pour faire du sport. Alors la musique derrière, ça rebondait un petit peu, je l'ai choisi pour le sens qu'il peut y avoir derrière, c'est Rocky IV. Donc c'est dans le même esprit de ce que tu disais. Il y a d'autres musiques qui sont plus speed, mais en fin de compte sur ce training là, les trainings de Rocky, ils se font tous c'est des sketchs, mais à la fois c'est assez énorme. Et c'est vrai qu'il y a Ivan Drago qui est avec plein de haute technologie, qui fait tout plein de choses. Et lui Rocky, il arrive en soulevant une charrue, en faisant tout plein de choses, à faire du sport. Et c'était pour dire que c'était faire un petit écho ou ricochet à la société d'aujourd'hui où on essaie aussi pareil, dont on la consomme à fond, etc. Et qu'avec simplicité, on peut aussi faire du sport. Exactement. Moi, j'adore le faire comme ça. Je comprends les gens qui vont dans des salles de sport, il y a le collectif, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'adore le faire en pleine nature, en plein air. Et j'ai presque envie de dire même sans musique. Mais voilà, mais que personnel. D'accord, bah non, mais très bonne année. Alors moi, pour faire du sport, j'écoute ça. Quand je fais du sport. Ah, ce serait rigolo ouais, que tu mettes ça. C'est intéressant. Est-ce que je tu fais du sport ne veux pas travailler. Ah, c'est un peu plus joyeux quand même que notre musique. Ouais. Et bah, pour faire du sport, j'ai principalement du rock. J'aime bien. Tu sais que ça choisit, ça me donne envie de faire du sport un peu. Déjanté, ouais, quoi. Joyeux, un peu ouais joyeux déjanté et puis un peu gros foot ou un sport c'est co, ça ouais c'est ça comme ça ou aller se retrouver à 4 ou 5 et essayer de taper sur la barre quoi. Exactement. Alors c'est le groupe OK Go avec le titre Here It Goes Again qui date un peu il me semble. Alors juste après c'est la playlist Pierre Je vous propose aussi mon sport. Ah oui pardon ouais. Vous allez aller, avec ça vous allez aller très alors, vite pour faire du sport, toi ton sport c'est le curling. À Pierre comme toujours avec ça je cours toujours avec
Avec ton électro. Ah, c'est pas mal. Ah oui, là, effectivement, ça motive. Ouais, c'est pas mal. T'as envie de faire des foulées. Et est-ce que vous connaissez le... Justement, Blind Test ? C'est un comédien qui a composé cette musique. Vraiment ? Si je vous dis Canal+, si je vous dis Bref... Ah, Ken Kojandi. C'est composé par Ken Kojandi. Ah, oui. Ah, il est très bon musicien aussi. Ouais, il est très bon. Le son est grave. Je savais pas qu'il avait fait ça, c'est pas mal. Alors ensuite... C'est quelle playlist après, Pierre, à venir ? Bah, tu fais ce que tu veux, moi je m'adapte. Ouais, écoute, alors la playlist de... Tiens, de la honte. Allez, la playlist de la musique honteuse. Ça, c'est rigolo. Ça. Alors, je propose qu'on commence par 4. Parce que 4 pas de honte, comme t'as dit il y a pas longtemps. Alors, on écoute ça. Toi, c'est ta musique de... que tu trouves honteuse. Ouais, je trouve ça honteuse. Parce que tout le monde l'écoute. Ah, tout le monde l'écoute, donc c'est honteux. Ouais. Pour moi, oui. Ça ne veut rien dire. Pas sûr pourquoi. Pour moi, c'est... Je sais pas... C'est juste, c'est trop connu. Tout le monde aime parce que tout le monde écoute. C'est pas parce qu'il y a qualité ou quelque chose. Ah, c'est comme ACDC. Non. Tout le monde connaît ACDC. Non, c'est pop quand même. On rappelle Pharrell Williams. Pharrell Williams, Freedom. Mais c'est juste, il y a un message. Ça va comme derrière, honte. Hein. Moi, je vais vous faire écouter le truc après. Vous allez dire, non, il écoute pas ça quand même. En fait, je me suis baladée dans mon playlist et c'est le plus honteux que j'ai trouvé. D'accord. Du coup, Lolita. Voilà. Alors, toi, Léa. Léa, on est à un autre level. Ah, elle a des gros levels. C'était un petit peu, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Ça, c'est sport. Qu'est-ce mais, que c'est volé, là, c'est sur la plage à Ibiza. Oh, j'ai envie de mettre un maillot de bain. Et... J'avais pas de trop pour la On te voit pas du tout écouter ça. En train de jumper. Puis... Après, c'est 21, c'est l'été quoi. C'est toujours voilà. On fait l'été avec Léa. Alors, c'est quoi déjà le titre ? C'est Mams, non ? Non, Mikorazon. DJ Mams, Mikorazon, ouais. Un truc. Oui, c'est ça. Mikorazon. Alors, super. Hugo. On passe à autre chose, hein ? Toi, la musique honteuse, que tout le monde doit connaître, ouais. Normalement. Et là, attention, parce que là. Là, je pars en live. Oh, c'est mignon. Attention, hein. Jusqu'au point levé, c'est énorme. Visez la lune. Et ouais, je devais être au collège quand on s'est sorti même primaire peut-être. C'est rigolo parce que ça, c'est girly quoi que ce soit, mais quand je l'écoute, elle me donne une patate d'enfer. Voilà. Donc, j'en suis pas Mel Bent. Samuel Bent. Viser la lune ou le c'est point levé là-dessus. Ma philosophie. C'est ma philosophie, viser la lune, toujours le point levé. Voilà. Et c'est vrai, quand je l'écoute, j'ai envie de me déhancher comme une girly, et puis ça me donne la patate. Chacun se. On pourra couper. Ah non, on est en direct. Finalement, laisse pas le choix. Je suis là, c'est pas le roi. Rien de peine. Inès, t'aimes bien ces injures incessantes. Hey. Moi, R&B. Je lèverai le poing. C'est bizarre en fait. J'ai écouté ça. Quand tu gagnes, j'ai jamais compté les paroles. Quand j'étais petit, quand j'ai écouté. C'était connu en Ukraine. Ouais, c'est connu. J'ai écouté, mais pour moi, c'était musique étrangère. Du coup, j'ai jamais compris de quoi elle parle. Hey. D'accord. Viser la lune. Toujours le point levé. Atteindre ses objectifs. Ah ouais. Alors moi, ma musique... Moi ou toi ? Non, vas-y, vas-y. Ah bah, généralement, la... enfin, oui, les choses font, la bienséance font qu'on se fait en dernier, mais... Normalement. Vas-y, vas-y. Alors, je l'ai mis en musique de la honte parce que dès que jamais, tout le monde dira arrête de mettre ça, mais moi, j'adore cette musique. Ah oui. Oui, oui, c'est génial ce truc, moi j'adore. Holly Dolly, du coup. Dolly Song. Ouais, Dolly Song. Ouais. Non, c'est Loï Toumal Yevaz Polka. Ah, une chanson traditionnelle finnoise. Tout en a cappella avec ouais. Des bouches qui font la basse, les aigus. Et moi, je sais pas, j'adore me dandiner dessus. Eh, ça va la honte, hein. Y a pire. Bah oui, mais ça m'est venu parce que moi, je l'écoute souvent et on me dit arrête. Ouais, et ton short rouge, c'est presque pire. D'ailleurs, t'es en quel artiste ? T'es en Avicii ? Ouais, en... Ah oui, on a pas de. Petit DJ électronique indépendant. Avec un label. À la recherche d'un label. À la recherche d'un label. Alors Pierre, je propose d'écouter ta musique de la honte que personne ne connaît pour le coup. Tu nous fais des surprises. Ah bah là, oui, mais là c'est vraiment de la honte. C'est un chant d'anté, non ? Non, c'est pas un chant d'anté. Qu'est-ce donc ? Alors là, c'est vraiment la honte. Non ! Ce serait pas. Le dégât est tombé. C'est pas PZK. Si, j'écoute les PZK.
Tain, j'aurais dû m'en douter parce que j'affectionne ce groupe. Allez, écoute, dans un sofa. Ah, mais c'est une vieille, ça. C'est une... Ah, bah, c'est ma musique de la honte. D'accord. Ouais, c'est parfait. Hein, c'est... mais... Oh mon dieu. Ouais, tu sens la sortie en boîte. Mais je vois bien Pierre en fait, en écoutant ça. Ça te va. Ça te fait la pêche. Comment ? Ça donne la pêche. Yes, yeah, ça donne la pêche. Alors ensuite, playlist du moment. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, Katharina ? Katoche pour les intimes. Comme toujours triste et dépressive quand je suis en France. Ouais. Bah voilà, c'est Lompa l'avion malaisien. Prod by Stu. Prod by Stu, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un Français qui écrit maintenant les prods pour Drake et pour qui ? Frank Ocean. D'accord. Aux États-Unis, du coup, elle est très cool. Donc, t'es sur du Lompa de 2015 ? Oui, un peu. Bah non, mais c'est juste, j'ai démarré avec dernier album et après, j'y vais en arrière. Parce que c'est très chill, c'est très... Et c'est très, ouais, c'est très bon que les paroles, en fait. Du coup, j'aime bien. La plupart des bonnes choses voilà. Que j'ai vues sont des miracles. Allez, enchaîne, parce que moi, c'est tous tombé en dépression. C'est bien d'en écouter, parce que t'as l'intro qui est effectivement très tranquille, et puis là, ça part après. Ouais. Mais alors, je crois savoir que Léa, ça différencie pas trop du choix de l'artiste, pour toi aussi, pour ta piste du moment. Donc, Léa, ouais. Ah. Avec celle qui a été son tube de l'album. On sait très bien comment ça va finir. Rap électronique, un petit peu pâle avec le titre Zio Diz, une belle chanson d'amour triste. Ouais, je pense que tout le monde, enfin, quasiment tout le monde a entendu celle-là depuis les 6 derniers mois parce qu'elle passe en boucle partout. Ah, elle est rythmée avec un côté planant quand même. Voilà. Oh, analyse, ouais. Analyse de pro là. Mais comme toujours, Ce que j'écoute en ce moment, c'est un peu ma musique de la honte que j'écoute aussi. J'écoute Amel Bent tous les matins. Ah pareil. Oui. Elle met un petit moment à partir aussi. Alors c'est un remix. Ouais, c'est ça. C'est Sunny, une vieille chanson soul music. Et du coup par Oumani qui l'a repris en électro, qui est très très sympa. J'aime bien la black music, soul music, toute ce côté Motown, etc. Repris en électro, en plus ça met un petit rythme. Des sons comme ça, de tous les remixes de classiques en électro. J'aime bien, ouais, quand ils sont bien posés, parce que ça les... Parce que des fois ça peut devenir très redondant pour certaines personnes, et il y en a qui sont très bien faits quand même. C'est ça, faut que ce soit bien fait, et que ça garde l'authenticité, qui est le côté puriste, là, quand il va parler sur... quand la chanson part, c'est bien. S'il y a trop de boum-boum derrière, je vais détester, je vais pas aimer. Mais du coup, là, c'est bien. Et en fin de compte, je l'ai redécouvert en regardant une série Red Donovan, et du coup dans la saison 3 il y a ce remix là, il y a le petit son, et du coup je me suis mis à réécouter cette vieille musique Voilà. Ça se fait beaucoup dans l'électro, reprendre les classiques et les mettre Chapman, tu reprends plein de petites choses et c'est sympa. Je suis tombé sur un de Lou Reed hier qui était très sympa pour l'été, ça. Ouais, cool. J'ai swappé ta musique de l'été aussi, mais ça m'aide bête. Alors Pierre, toi ta musique du moment. La bienséance fait que au bout de la troisième musique, tu as compris la bienséance. Ma musique du moment. Très électronique pour les musiques du moment. Je remercie Mode qui m'a fait découvrir ça à Bruxelles. Osh, H-O-S-H. Wouhou. C'est Osh. Ouais, c'est sympa. Il y a un côté rétro. Années 90. Elle est sortie il y a 5 ans. On a Régie qui danse. Elle est sortie il y a 5 ans et je la découvre que maintenant. Pour les fans de Decrécy, c'est une pure bombe. Oui. C'est le même truc au fond, en fait. Ah, c'est marrant. Régie qui bouge. La régie est à fond. C'est super. Ah, on est... Je peux en dire Osh. Wouhou. Osh. H-O-S-H. H-O-S-H. Osh. Wouhou. En fait, c'est Wouhou. Wouhou. Alors, moi, ma musique du moment. Normalement. On reste dans l'électronique un petit peu. C'est un belge congolais qui s'appelle Temetan.
T'aimais ta. Et il y a une des chansons qui est dans FIFA 18 aussi, mais je l'ai pas découvert comme ça. Il chante en français en faisant des compositions de musique électronique, opérations africaines, Brésil, il voyage un peu partout. Ah, et c'est super. Génial, j'adore ce qu'il fait. Ah. Du coup, je suis à fond là-dessus en ce moment. Il y a quelques lives dispo aussi sur YouTube, c'est à voir. C'est très rigolo comment il fait. Voilà, c'est Méthane avec le titre Le Ciel Produit. En collaboration avec le Motel qui fait des prods pour Roméo Elvis, le rappeur belge, voilà, pour les connaisseurs. Pas mal. Alors maintenant, je crois qu'il nous reste une dernière playlist, qui est la playlist des sons de l'été pour finir l'été. Alors cette playlist. Alors Katharina, toi, moi, sons de l'été, j'en perds mon conducteur. Moi je suis avec Broken Beck, remix. Je crois pas que c'est ça. Ah ouais ? Eh ben moi j'ai ça. Et j'étais mort de rire quand j'ai vu ça dans la prog. Ah bon ? Ah, je pense que j'ai mal téléchargé. J'ai trompé en téléchargeant également cette chanson. Oui, mais c'est en très fait, marrant. À la base. Mais prends cette musique. Oui, j'ai pas compris. Non. Moi non plus, j'ai pas compris. Ça fait pas son de l'été, mais pourquoi pas ? Oh, du coup, je pense que je me suis trompée. C'était en fait, c'était Broken Beck. Alors, les, c'est salut, c'est cool. Ouais, ça, c'est salut. Ouais, c'est salut, c'est cool. Waouh. Mais c'est génial. Mais c'est très drôle de mettre ça en son l'été. Okay, mais non, si on parle des soirées d'été, quand ouais, en fait, c'est danse, son l'été à partir de 4h du matin. Ouais, ça passe. Si je dois danser pendant le soir et pendant l'été, ça passe très bien. Mais en fait, c'était un remix de Broken Beck de Klingart, je crois, ouais. Klingen. Ah, Klingen. Ouais. En fait, c'était ça, mais désolé. En fait, je savais pas. Hein, c'est What It Used To Be, non ? Ouais, ouais. Bah, les plus connus, en fait. C'est et c'est trop l'été, pas bon, ça. Du coup, c'est pas ça qu'on écoute, mais... Ok, salam alaikum, par salut, c'est cool. Sautez par sur les chargeurs quand vous dansez. Ah oui, ah quand même. Ah quand même. Mais c'est pas l'été du tout. On envoie le bousin. C'est l'hiver sombre. On envoie le bousin. C'est génial aussi. Avec 3 on envoie le bousin à la merguez. Ils font le boulot. Quoi. Alors Léa, toi, ton son de l'été. Oui. Est-ce que ce sera la bonne? Oui. Oui, c'est la bonne. Alors, ironie du titre. C'est drôle, c'est Cheveux longs. Parce que oui, c'est des cheveux longs de Les Gordon. Producteur René, t'écoutes beaucoup, toi, Les Gordon. Du coup, pour cet été, c'est chez Les Cheveux longs. Pour combler un petit peu ce manque de cheveux. Les Gordon qui sort son album 24 juin ou 29 juin, je ne sais plus, mais c'est fin juin. Donc on attend, on va voir ce que ça va donner. Toi, Hugo, tu n'as malheureusement pas de son de l'été. Bah, je me suis dit que j'allais peut-être le découvrir. C'est le premier jour, donc voilà, je vais piocher dans ce que vous avez donné et puis je vais voir les vibrations qui vont se passer. J'en profite du coup pour faire un petit point community manager. On a toujours Clémence qui nous dit qu'elle passe un très agréable moment avec nous. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Marie-Ange qui adore ce qu'on fait. Vincent qui est toujours OP. Donc voili voilou. Et en parlant de son de l'été, c'est pas un son de l'été, mais du coup. J'ai écouté ça sur mes dernières vacances au mois d'avril, j'ai eu la chance d'en avoir et on m'a fait découvrir une musique. Au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'était hallucinant. Et en fin de compte c'était l'une des premières chansons que j'essaie de retrouver de Björk. Elle devait avoir 14-15 ans, c'est une de ses premières chansons officielles. On a l'impression que c'est en asiatique, on comprend un départ parce qu'elle chante en islandais pour le coup, ouais. Et elle est entre du ska, du rock, de plusieurs styles. Et du coup bah, si vous arrivez à la choper, pas forcément un son pour tout l'été. Voilà, mais d'accord. C'est un son pour quelques soirées de l'été. D'accord. Ah bah on note, alors on essaiera de retrouver Björk à 15 ans. À ses débuts. Là, à ses débuts, ouais. Première chanson. Ça m'intrigue, j'irai voir. Alors Pierre, ton son de l'été, est-ce que ça va se rapprocher des paysages? Justement, il y a un petit air asiatique plutôt oriental. Alors des petites percussions. C'est la bande originale du film Nous Trois en Rien qui retrace la vie. D'accord. Ah, de. C'est Kairon. De Kairon. Ah, en Iran. Ouais. En Iran. C'est ça, avec le chat, etc. Le changement politique. Et... Ça te donne envie de zouker l'été. Pour le coup. Ah, j'ai des frissons. Ah, ouais, j'ai pas vu le film, je connais pas la bande originale. J'ai bien aimé, moi, le film. C'est pas mal. C'est plaisant. Ça donne envie sympa. De regarder. Les acteurs sont super. Ouais, très bien. Superbe acteur. Leila Beighty qui joue ouais, sa femme. Ouais, vraiment très. Moi j'aime beaucoup la première partie du film en Iran. Ouais. Pour info. Ouais, en France, etc. Un film à voir, Nous Trois ouais, en Rien. Il doit être dispo en DVD depuis. Ouais. Oui, il est sorti. Ou en streaming légal. C'était l'été dernier. Il est sorti l'été dernier ? Non, 2016. Je sais pas, c'était pas. Ouais, il y a 2 ans. Oh, il a déjà un peu de temps. Alors, moi, mon son de l'été, pour le coup,
j'ai l'impression que ça fait vraiment son de l'été. Ouais, ça veut dire que nous on n'a pas bien. On n'a pas bien choisi. Quand on te dit son de l'été. Oui, oui, oui. Moi je m'entends un peu comme ça. Ouais, très. Joyeux, rythmé, ouais, ouais, tout à fait. Mélodique. Tu veux un Martin Solveig quoi? Non. Non, ça c'est. Stelouz avec Nick Leng, Been So Long. Alors au début, au premier coup, je me suis dit ça ressemble à de la pop classique. Mais en l'écoutant plusieurs fois, je me rends compte qu'il y a plein d'éléments dans le morceau où il faut tendre l'oreille. Et les refrains qui reviennent, les trucs comme ça, c'est très joyeux et moi ça me plaît beaucoup. Yes. Voilà, je sais pas si vous, ça vous parle. Pas trop l'été, en vrai. Ah, ça dépend. Fait l'été, tu sais, un lendemain d'une soirée cool, un petit transat, le soleil qui te réchauffe, voilà, et puis ça dans le fond des oreilles. Trip avec les copains dans la voiture, voilà. Pour aller. Ouais, aussi, ouais. On sait où, on sait où le vent nous emmènera. Ouais, c'est. Donc voilà. Pierre, t'es dubitatif. Attends, il va y avoir un petit refrain. Ce qui peut être rigolo, c'est de prendre de faire une playlist avec les. On est 5, les 5 x 4 morceaux, les 20. Et puis quand vous partez en vacances, vous écoutez les 20 morceaux à la suite. Voilà, là j'avoue qu'il y a un peu de vent, on n'entend pas tout, mais. Ouais, t'as envie de bouger tout à droite. Voilà, très beau plateau, hein. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour les playlists du moment. Alors nous allons tout de suite passer à la chronique musique de Katharina. Katharina, tu veux nous parler de. Bah, des nouveautés qui sont récemment sorties. D'accord. Icar, t'as fait un petit pléonasme, non? Des nouveautés récemment sorties. Ce serait pas la même chose. Je laisse continuer. Attends, bon, bon, comme ça, tu me laisses comme ça dans cet état. Excuse-moi, Kat, que... pardon, on nous conseille Icar, vous connaissez, non? Icar de nom. Ouais, et c'est Icar. Je n'ai Casillas. Jamais voulu grandir. Ah non, j'avais aussi un Icar conseil de la part de téléspectateurs. Excuse-moi, Katharina, je t'ai coupé la parole. Ça va, ça va. Alors, une nouveauté déjà sortie. Non, oui, qui sont récemment sortis. Hein. On est d'accord. Bah, le premier dont je voulais parler, peut-être on peut mettre quelque chose par ma voix. Merci. C'est oui, c'est le single de Born to Be Yours de Kaigo avec Imagine Dragons. Il est sorti il y a une semaine. Kaigo, c'est un DJ norvégien, je pense que tu le connais. Et il continue à faire beaucoup de collaborations avec les artistes assez connus, assez top. Et cette fois, il fait avec le groupe pop-rock américain. Et Imagine Dragons ont déjà sorti beaucoup de tubes comme Radioactive, Believer, etc. Et du coup, voilà un petit extrait. Mm-hmm. Ils sont un génie. Ouais. Ils sont un génie. Des génies. Hein. Kaigo qui avait notamment remixé Take On Me de AA. AA. Pour les petites vibes. Mais on voit en fait. Ah bah ça fait son de l'été pour le coup. Ça, c'est son de l'été, mais par contre, moi j'ai vu pas du tout Imagine Dragons là. Ça s'entend pas. Il n'y a que Kaigo. Oui, Pat Kaigo et la voix de chanteur de Imagine Dragons. Mais par contre, si vous voulez voir Imagine Dragons, ils vont partir. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Dragons. Dragons, ouais. Yes. Game of Thrones. J'ai continué en anglais maintenant. Et du coup, Imagine Dragons. Vos nouvel et troisième album de Damso Léthopédion. Je pense que Bruno va dire beaucoup des choses sur ce truc parce que l'album est sorti le 15 juin. Et après deux albums qui sont assez sombres et assez, je dirais, déprimants, c'est la même façon d'écrire. Damso est toujours. Assez sombre. Et il a toujours abordé les sujets assez particuliers comme le racisme, le suicide, mais dans cet album, il a abordé la pédophilie. Ça m'a choqué. Mais la chanson, en fait, je vous invite à écouter, ça s'appelle Julien. C'est très fort parce que si tu comprends pas les paroles, ça semble juste rap. Du coup, morceau Julien. C'est suggéré en fait. On comprend pas forcément la première écoute. C'est pas l'aigle noir de Barbara ou c'est juste non, là, vraiment, tu comprends, et même au refrain, tu. Ouais, c'est très bien fait. Mais c'est pas celle-là, du coup. Ouais, c'est là, c'est humain.
qui était censé être le hymne national de l'équipe belge de foot, ah ouais, mais qui était refusé parce qu'il y a des féministes qui sont contre Damso. Ils ont porté plainte pour certains textes, voilà, avec 2-3 propos misogynes, et ça, voilà. Mais j'ai adoré comment Damso en fait a repris ce truc, parce qu'il a dit que lui, il a appris par ses refuses, il a appris beaucoup de choses, il a acheté des bouquins à propos des féminismes, il a appris des trucs, du coup, bah lui, il sort bien des situations sociales, comme ça, ouais. Et du coup, voilà. Mais voilà, le titre humain, il est très très beau, je conseille de l'écouter, parce que... Voilà, du coup, on peut écouter cet extrait, je pense, en entier, juste, c'est une minute. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité, déguisé en être humain pour un semblant d'humanité. Charnels sont les générosités pour hypnotiser les gens, pendant que mondiaux immigrés se mettent à copiner des clans, se mettent à cotiser des camps où sont entassés des gens. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con, serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux, bah, tout ce qui faisait mon être. Humain. Ouais. Écoute en boucle aussi en ce moment. Ouais. Et écoutez bien tout l'album Lithopédion. C'est assez fort. Mais il faut pas écouter que seule fois. Il faut écouter vraiment en boucle pour comprendre tous les... Gros album d'ailleurs, 16 ou 17 titres, je crois. 17 titres, 17. Plus Humain, qui est pas officiellement, ouais, qui est un bonus. Il est que dispo sur le CD, mais ouais, et on va maintenant, pouvoir le retrouver un peu partout. Après, hier, il est pas dispo en version officielle sur YouTube. Il a été supprimé de compte officiel de Damso. Bon, du coup, cherchez. Voilà, et on continue. La prochaine nouveauté, c'est l'EP de Leska qui est sorti semaine dernière. L'EP. L'EP. Parce que l'EP, moi tout de suite... L'EP d'Escalibur qui a enfin été sorti. L'EP, du coup, Leska, c'est Les Gordon, qui on a écouté il n'y a pas longtemps. Avec et Douchka. Et merci Bruno qui ont fait Technique à deux. Avec le label Nowadays Records. Dans l'EP. L'EP, il y a 5 titres, moi j'aimais bien que 2. Et du coup, je vous propose d'écouter l'un de deux que j'ai bien aimé. Ah, l'EP s'appelle Circles. Circles 2. Ok, en anglais. Dans le nom c'est pour Circle un P. 2. Du coup, on écoute extrait de Warriors. Warriors. Très chill. Ouais, très chill, mais il y a des morceaux assez pop. Je n'aime pas du tout. Franchement, mais voilà, c'est leur deuxième album, deuxième EP ensemble, et d'ailleurs ils vont passer à Paris au Point Éphémère 19 septembre. C'est leur premier concert ensemble. Je pense que ça doit être pas mal. Il y a un concert 2 déjà disponible sur la chaîne Cercle en intégralité, si pour les intéresser, ceux qui veulent voir. Merci. Bah écoute, c'est tout pour ta chronique, non? Oui. Oh, autant pour moi. Ah, non, c'est juste un petit morceau. J'ai cru que c'était... Il y a trois trucs, et après je vais... Ah bah, je t'en prie. vu que, en fait, hier, c'est juste, on a eu, je sais pas pourquoi, mais 20 juin, c'était une date très particulière pour beaucoup de sorties. Du coup, j'ai décidé d'ajouter un peu dans ma chronique. Parce que déjà, on reprend. On a l'album de Fine Équipe qui est sorti hier soir. Voilà. Après, on a beaucoup de sorties vidéo, de clips qui sont assez intéressants. Déjà, on a Angèle, la chanteuse belge, qui a sorti un nouveau clip La Thune. Exact. Et maintenant, elle devient un peu plus connue parce que tout le monde fait les feats. Déjà, Damso a fait le feat dans les Petopédions. Elle fait les prods. Et elle déjà, chante. Angèle faisait les premières parties des concerts de Damso aussi. Voilà. Angèle qui a sorti un titre, La Thune, qui parle des réseaux sociaux, du paraître. Ouais, exactement. Ouais. Et déjà, le vidéo, il est assez stylé. Moi, j'ai bien aimé l'esthétique. Après, on a Beyoncé et Jay-Z qui ont sorti leur album en même temps avec le clip Everything is Love qui était filmé au musée du Louvre. Là, c'est Everything is Louvre. Everything is Love au Louvre. Ouais, voilà. Ouais, le clip est comme toujours, il est. On dirait que ça mériterait une étude de vidéo. Ouais, l'étude de vidéo parce qu'il y a beaucoup philo, de références sur art. Moi, je pense que j'ai capté quelques, mais ouais, je vous invite à regarder sur les plateforme de streaming. Et si vous avez la flemme de faire cette étude vous-même, je vous conseille la chronique de Quotidien de mardi dernier, le 20h Média, sur ce clip.
Voilà. Avec Beyoncé. Impeccable. C'est génial. Après, on a que deux vidéos de. Je voulais juste parler comme ça. On a un clip de Vald, Deviens Génial, qui est sorti. Rien de particulier, mais pour faire plaisir à Pierre, qui j'adore cette chanson. Voilà. Qui est tourné dans une église. Ouais, qui est tourné dans l'église, mais. Enfin, vidéo comme vidéo. Une ode à son fils. Et après, hier aussi, Therapy Taxi ont sorti leur vidéo pour chanson Coma Idéal. Idyllique, pardon. D'accord. Voilà. C'est tout. Nous avons un petit commentaire sur Facebook. Un petit point com. Les personnes disent « La Coupe du Monde n'a pas la chance d'avoir l'Ukraine, mais collective a la chance d'avoir Katarina. » Oh, c'est mignon, merci c'est... beaucoup. Merci, Kat. Ah, tu as fini ? Ah, pardon, je suis parti, autant pour moi. Alors maintenant, chers téléspectateurs, je propose de passer tout de suite à notre écrivaine un petit peu de la radio. Tout de suite, c'est le billet d'humeur de Léa. Voilà, tout d'un coup, c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. On se calme. À toi, Léa, t'en prie. Je vous vois, on se calme. Bien. Oui, des fois, il y a trois émissions en une ici. C'est ça. Alors, ton billet d'humeur, Léa. Alors, c'est pas vraiment un billet d'humeur, c'est plus une sorte de texte, poème avec des rimes, c'est pas... Oh, pour la fête de la musique. Oui, voilà, je trouve que dans les textes, genre le slam ou quoi, c'est qu'il y a une certaine musicalité, parce qu'il y a les sonorités, les rimes, tout ça. Tout est en alexandrin ? Non, ah, non, tout de même pas. Alors... Entre l'homme et la femme, la délinquance d'une force effrénée qui balaie la lumière de tout son visage et de la tristesse en écrit la beauté. Dessin dans un monde de papier a fait couler plus d'encre qu'elle n'en a été. Il n'y a pas de soir sans la brûlure du ciel qui s'éteint ni sans la feinte, arme que tient notre main. Ce soir, il n'y a pas de soir. Plus de concert, nos mains sont vides et nos espoirs blanches. Il n'y a plus cette lumière qui divisait les avis et ramenait les autres autour d'un parti pris. Ce soir, il n'y a que la douceur du vent, le soleil qui traverse ma peau et ses années passées. Ce soir, il y a ton sourire, celui de cet après-midi. Ce soir, il y a ton souvenir. Ce soir, je suis en juin. Je suis perdue, un peu paumée. C'est une grande ville, faut dire. Ce soir, j'ai franchi la frontière entre mes doutes et mes peurs. Je suis clandestin et nouveau venu. Ce soir, j'ai dessiné des yeux et des visages sur les murs de Paris. J'ai écrit une lettre et j'ai pleuré. Je vois ce soir le ciel et ses nuages qui me disent de courir, de suivre quelques notes entendues. Ce soir, à l'horizon, des corps dansant à l'image d'un feu sous la chaleur humain, un été. Profile sa vision sur les maisons d'à côté. Les reflets vibrent, se mélangent et tracent les lignes de la journée des musiques. Et dans ce fracas étrange, m'invite à participer. Ce soir, il n'y a plus de soir, la nuit et le jour n'existent plus. Le seul temps restant figé, tant et tant que qu'on ne l'y prendrait plus. Ce soir, je suis en juin, perdu, c'est une grande ville, faut dire. Les musiques dansent dans les rues et écrivent sur nos murs. Ce soir, je n'ai plus envie d'exister ni même de rire. J'ai la tête entre la musique et son avenir est moins dur. Voilà, tout d'un coup, c'était là. C'était clair comme le jour. Oui, c'est joli. C'est gentil. C'était soudain dégoûté. C'est beau. Ça me fait penser à un moment, à un livre de Dépente Vernon Subutex, où le protagoniste est un ancien DJ. Mais ils organisent des transcendances. Ils ont appelé ça comme ça. Et en fin de compte, sans produit, sans quoi que ce soit. Enfin, il y a un truc tout autour de la musique. Et le texte m'a fait penser à ça un moment. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Léa, pour ce joli poème. Merci. Alors, tout de suite, c'est bientôt la fin de cette partie fête de la musique. Et je propose de conclure par un petit jeu. Car la vie suit son cours. Et l'on est tout heureux d'être amoureux. Il cantera. Alors Pierre, si tu peux me mettre un petit monsieur derrière monsieur Philippe en douceur. Alors je propose, même à la régie vous pouvez jouer avec nous, 15 titres de groupe anglais que j'ai traduit en français. Ah, très sympa. Il faut retrouver voilà,
T'avais fait un jeu, j'avais entendu un apéro live avec le Canada là et des titres de films. Ah oui, les titres de films canadiens en français. J'avais vraiment adoré. Alors, il y en a. Si vous êtes prêts, on peut commencer tout de suite. Allez. Le premier, c'est Jean Marron. Jackie Brown. Hein? Bah non. Jackie Brown. Bah Jean Marron. Eh non, bah non. Jean, non. Jean Marron. T'as dit quoi? Bah oui. En anglais, le chanteur connu. James Brown. James Brown. Yeah. Tout à fait. Ah yes, ah, j'étais sur les films du coup. Non, c'était que des. Ah ouais, ouais, James Brown. Attention, le deuxième, le choc. Clash. The Clash. Greg, bien joué. Chicago. Exactement. Les garçons de plage. Beach Boys. Beach Boys. Les gens du bourg. Boulevard désert. Non, mais là, j'ai dû varier un petit peu. Les gens du bourg. Sex Pistols. Marche pas du tout. Les gens du bourg. Phonétiquement, il y avait un truc. Phonétiquement, juste. City. Non. Ça finit par Halls. Ah, phonétiquement. Village People. Village People, exactement. Les gens du bourg, The Village People. Les gens du bourg. Les gens du village, ouais, c'était plus sympa, les gens du bourg. Les portes. Ou les gens qui bourrent. The Doors. 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 Aussi. Pardon, je vous fais un point pour le coup. The Doors, les portes, tout à fait. Bisous. Kiss. Voilà. The Doors. Bonjour, Burger de la mort. J'ai des calages en direct chez vous. Flou. Tâche floue. Kiss. Pour les bilingues, là, ça va. Ça devrait aller vite. Flou. Une tâche floue. Non, pas Florida. Une tâche, c'est comment une tâche en anglais? C'était méthane derrière. On apprécie. Bon, bah. Ils ont fait une chanson très connue qu'on a aussi dans les trucs qui s'appelle Song 2. Ah, The Blur. Blur. Ouais, mais ça veut dire tâche. Flou, tâche floue. Ouais, mais. Bah, excuse-moi, c'est la traduction. Ouais, mais Kat n'est pas d'accord là. Elle demande l'arbitrage vidéo la VAR, s'il vous plaît, pour Kat. Ouais, ouais. Replay. Alors, le ballon était dans le but. Les citrouilles qui s'écrasent. Ah, oh, je vous le laisse. Un point pour Will, ouais. The Smashing Pumpkins, exactement. Miam miam, petit oiseau. Ah, Birdie Nam Nam. Birdie Nam Nam. Fausse oreille. Fakir. Fakir. Ouais, je t'oublie, il faut aller chercher. Les singes de l'Arctique. Arctic Monkeys. Facile. Hein. Alors, attention, il en reste 4. Ça va être rapide. Les frères bleus. Frères de la Vega. Blues Brothers. Blues Brothers. Blues Brothers. Exactement. Les canneberges. The Cranberries, ouais. 2 points pour Win. Punk Idiot. Punk Idiot. Idiot. Ah, des Français. Les Fatal Picard. Daft Punk. Daft Punk, oui. Ah. Pas les Fatal Picard. Et la dernière, les Scarabées. Les Beatles. Ouais, Will remporte, yeah. Cette. Bravo, bien joué, finale. Bien joué, Will. Alors écoutez, c'est la fin de cette partie fête de la musique. Et je propose de faire une petite pause. On se retrouve juste après pour la dernière ligne droite avec la remise des cadors de collective. La dernière. Oui. Donc voilà, à tout de suite. J'espère que ça vous a plu. On se dit à tout de suite. Merci Bruno. Et on écoute Joe Dassin par un remix de Malcolm. Et un petit remix de la Casa des Papel parce que ça a été demandé, même si beaucoup d'entre nous n'en peut plus de ce morceau. Allez, on se retrouve tout de suite. Sans espoir et sans regret.
si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour t'aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour t'aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. À toi de me donner l'occasion de dire deux trois conneries. Bah, ça sera pas sur France Inter, ça sera sur Collective Web Radio.
Simon Corgé sur Collective. Salut à vous, bande de jeunes. Collective, web radio positive. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes dans les Cadors, la dernière partie de Collective sur son 21. Ça va tout le monde, on a rechangé de plateau, on a rechangé de vêtements. Ce n'est plus Francis Lalanne, Frérot de la Vega et Avicii qui sont avec nous, mais bien Bruno Coulon qu'on va pouvoir retrouver ce soir. Salut Bruno. Salut. Ben rebonjour. Rebonjour Bruno, on se retrouve où ce soir? C'est une blague pour la promo, mais pour les amis canets qui nous regardent éventuellement, il y a un concert de rock avec Rafio Kitang, donc je joue avec mes copains à 21h à Saint-Pierre, devant le Régent et la Station, derrière l'arrêt de tram Saint-Pierre. Juste derrière l'arrêt de tram. Voilà, dans le centre-centre, on peut pas être plus au centre. C'est pas sur l'eau? Non. Jeu de mots, Rafio Kitang. Comment vous est venu ce nom de Rafio Kitang? Faisons une vraie promo. Écoute, je ne sais même pas moi-même. Je n'étais pas là quand le nom a été trouvé, mais ça part de plein d'idées différentes liées aux influences musicales de chacun. Donc voilà. Très bien, mais je vous propose de commencer. C'est Cador, la remise officielle. Des cadors, vous aurez compris ce jeu de mots trouvé par notre cher Hugo. Ah oui, quel jeu de mots. Ah ben non, mais il est bien. Le cador. Alors, on va ouvrir cette cérémonie des cadors avec une première question. D'abord, j'ai envie de vous demander quel est le meilleur souvenir dans la saison que vous avez eu. Il y a vraiment beaucoup de vent sur ce plateau. Léa, ton meilleur souvenir à la radio, ça a été lequel? Et après, on va faire la première catégorie des cadors. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé Cherbourg et le 21 décembre. Le 21 décembre et Cherbourg, alors qu'est-ce qui s'est passé à Cherbourg? Bah, il y avait beaucoup de personnes, super sympa, il y avait de l'ambiance. Multiculturel. C'était super chouette, j'ai beaucoup aimé, voilà. Très bien, Inès. Bah, je pense que pour moi c'est aussi Cherbourg parce que c'était cool. Quelle belle rencontre à ouais, Cherbourg. Il avait beaucoup de rencontres avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de pays différents, donc c'était cool. Et voilà. Kat, je te demande, t'as le micro, j'en profite. Oui. Ton meilleur souvenir cette saison, en un an? Je crois que tout ce qu'on a fait, en fait, l'arrache qui. C'est mon meilleur. C'est vraiment, à l'arrache. C'est l'arrache qui nous suit toujours avec nos préparations. Voilà. C'est et puis, le taf. Donc Cherbourg aussi. Cherbourg, oui, bien sûr, mais pour moi, c'était pas la radio, c'était surtout formation. Mais oui, tous les premiers, le premier apéro live, par exemple, c'était chouette. C'était aussi chouette qu'avec le vent aujourd'hui. Je crois. Un peu, ouais. Est-ce que tu peux passer le micro à Greg s'il a un peu de temps avec ses mains qui réalise oui, oui. Aujourd'hui on la vidéo en même temps. Ton meilleur souvenir cette saison? Moi j'aime beaucoup les 21, ça change, c'est toujours différent. J'irais... Il n'y a jamais eu un 21 pareil. Ah oui. Mmh. J'irais le 21 des Jeux Olympiques si on compte pas celui-ci. Ah j'ai ouais. Beaucoup aimé les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, eh ben, on fera dans 4 ans. Dans 2 ans, c'était hier. Bruno, ton meilleur souvenir ici cette saison? Alors moi pareil, les 21 Apéro Live et tout, c'était très très cool. Mais il y en a un aussi que j'ai eu avant de venir à la radio. On a été... Ma première expérience, on a été au Double Dash. Soirée hip-hop organisée par le TFT Label où j'ai rencontré les gens là-bas, on a interviewé des artistes, on a vu des concerts et c'était très cool comme moment.
On t'avait rencontré au pied dans la radio. Hein ? T'avais rencontré Cassez-moi Palais quand Cassez-moi Palais qu'on avait interviewé. C'était très très bien. Le dernier de cette tablée. Ah, c'est toujours dur parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une saison. Effectivement, les 21, le 21-12, qui a été un moment fort, surtout en termes de mixité sociale. Moi, j'ai aimé avec toutes les personnes qui sont venues derrière le micro. Ça a marqué, ça a montré ce qu'on pouvait faire sur le territoire par rapport à collectif. Je dirais aussi de manière générale avec les 21, l'esprit en fin de compte du média où si on regarde rien qu'aujourd'hui, il y a l'équipe de France qui joue à 17h. Et notre boulot, on est payé à être créatif, à faire les ouaves et à parler de foot, de la DER du 21 et de la fête de la musique. Je pense qu'il y a pire. Donc c'est moi, ce qui me marque, c'est aussi l'esprit qu'il y a et l'essence même du média. Et puis je mets quand même un petit big up les grises têtes. Quand tu étais pas là, je te remplaçais. Et c'est vrai qu'avec le boulot, bah des fois je suis loin de la radio, je peux pas toujours en faire et c'est comme ça, c'est normal. Mais du coup, les fois où je t'ai remplacé, c'était une vraie bouffée d'oxygène. Je passais 2 heures humainement à voir des gens rire, à apprendre des choses et ça me faisait toujours un bien énorme. Eh ben, je me pose la question à moi-même et j'aurais répondu ça. Les coups de cœur, c'est évidemment entre autres les grisettes et des histoires à raconter. Ouais. Là où on investit des lieux un peu insolites pour faire de la radio. Je pense au dernier à la salle de danse, Anne-Sophie nous a invités. Super sympa. C'est des moments où on parle à bâton rompu et... où finalement chacun raconte ses tranches de vie et c'est très sympa. Et c'est rigolo de voir aussi comment ça vit à côté parce qu'il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, je vais dans un endroit et puis l'endroit me dit eh, on va accueillir vos petits anciens et puis vos petits jeunes et on va faire l'émission ici. Eh bien tant mieux. Si vous avez des endroits à nommer, des endroits insolites. Aujourd'hui c'est le stade de foot, le FCPA. Le FCPA nous accueille. Bon voilà, bah, c'est pour une autre émission des histoires à raconter où on raconte un peu tout. On parle de danse, de souvenirs et on parle de tout. Alors première catégorie. C'est parti. Le Cador de la meilleure nouveauté musique en cette saison 2017-2018 sont nommés Bruno Coulon dans Apéro Live. Wolé. Bruno Coulon yes. dans Les Bouillonneurs du Cru. Yes. Bruno Coulon dans 340 mètres par seconde. Yes. Et Bruno Coulon dans toutes les pauses musicales. Ainsi que Bruno Coulon dans Chill Time. Yeah. Et le Cador revient à. Ta-ta-ta-ta-tan. Bruno Coulon dans Chill Time, bravo Bruno. Bruno, on te remet le premier Cador. un petit mot Bruno, tu as une minute pour sinon les remercier la musique. Hein. Après c'est terminé. Merci. Et oui, dans cette catégorie-là, c'est vrai que la concurrence était rude, on était beaucoup de nommés et que j'ai fait de mon mieux, on va dire, pour essayer de diversifier, de vous intéresser. Donc voilà, je suis très ému, très content. Merci. Ça a été quoi l'émission dont tu es le plus fier parmi toutes celles-là? Parmi tout, il y a eu quand même la création de l'Apéro Live. Dont on a pu avoir une mini partie en partie 2. C'était un peu ça l'esprit de l'Apéro Live. Qui a été un. Ouais, condensé de plein de bonnes choses. Un projet qui nous a plu. Voilà. L'Apéro Live. Aimé, tu remportes ton cadeau pour Chill Time. Oh. Qu'on vous pourra trouver tous les dimanches. 15 playlists, il y en a 15. Et 15 playlists de Chill Time. Pour se détendre le soir ou en travaillant, voilà. À écouter tout cet été. Exactement. Pour chiller. Par semaine. Voilà. L'invité qui vous a marqué. Alors, est-ce qu'il y a un invité qui vous a marqué parmi tous ceux qu'on a reçus cette année? Léa, je me retourne vers toi. Est-ce qu'il y a un invité qui t'a marqué? Je ne me rappelle pas de toutes les personnes qu'on a eues, donc je ne peux pas trop... C'est vrai qu'il y a du passage. Mais s'il t'a marqué, c'est que tu t'en souviens. Donc s'il n'y a personne qui t'a marqué, c'est pas grave. Je ne sais pas. Si j'avais la liste, je pourrais dire la personne qui m'a le plus marqué. Mais alors, qui... j'ai Mathudi, ailier gauche. Bon, c'est pas grave, Léa. Inès, un invité qui t'a marqué. Un invité ou un chroniqueur ou un animateur d'une émission. Je pense à Pierrick pour Plein Écran. J'aimais bien l'émission avec les enfants qui sont venus d'école pour faire son... Les bips. Pas tout à fait invités, mais j'aimais bien le concept de l'émission et je pense... Une minute d'émission pour minute d'émission. 58 heures de montage à peu près. Exact. Ouais, voilà. Sacrée émission, les bips. Mais c'est vrai que les projets scolaires, c'est sympa. Il y avait aussi Patrick qui avait fait un projet scolaire arrêt, super projet. Pareil, beaucoup de montage, mais alors quel rendu, c'est vraiment sympa d'avoir écouté, qui a été diffusé il y a une semaine à peine ou 10-15 jours. À tout compte, ça a été diffusé, elle s'appelle « Quand les petits oreilles se mettent à compter ». Voilà. Les petites oreilles se mettent à compter.
Bruno, ton invité qui t'a marqué cette année? Je veux dire qu'on a fait sur 121 avec, si je me trompe pas, Thomas Perrou. Oui, Thomas Perrou. Exactement, ouais. Bah, j'avais bien aimé toute la discussion autour du vinyle et tout son projet. Ouais, une petite casquette un peu, là, c'est l'édition de photographe, tout ça. Exactement, ouais, c'est très, très intéressant. Hugo, un invité avant de passer le micro à Kat et Greg. J'ai envie de dire, avec le concept autour du rond-point, moi ça m'a permis de vivre de vrais moments avec les intervenants de la MJC et pas que. Et je les mets tous au même niveau parce qu'ils étaient passionnés, donc que ce soit pour le tango, le hip-hop, ils venaient de Panama, les intervenants d'expression artistique. J'ai adoré dans cette émission-là échanger avec tous les invités qui sont venus parce qu'ils ont parlé d'eux-mêmes et de leur passion. Et puis pareil, hein, je fais souvent deux réponses en une. C'était un honneur quand même que d'interviewer Nina Simon pendant Jazz en Ouche. Parce que je suis fan de sa maman et puis c'est vrai qu'elle avait fait elle a fait un concert magnifique, majestueux. Donc Nina Simon, voilà, entre autres. Kat, Lisa, Lisa Simon. Lisa. Ouais, la fille, maman, ouais. Nina et la fille Lisa. Nina outre-tombe. Lisa Simon. Moi, en fait, j'ai réfléchi pendant que tout le monde a parlé et j'ai décidé que je vais dire notre cher Benjamin Aimé. Benjamin Aimé. Qui est invité permanente. Qui est devenu un partout, invité, en fait, chez nous, à la radio live, à la radio collective. Il est toujours là pour nous et du coup, c'était vachement chouette. Il nous a bien aidé. Quand il a aidé, quand il a juste parlé et raconté et montré sa musique, et toujours, il nous fait découvrir quelque chose génial. Franchement, c'est Benjamin, cool. On te fait des gros bisous. Ouais, et puis, ouais. Si gros tu bisous. Peux passer le micro à Greg pour avoir l'invité de l'année de Greg. Je dirais en général déjà toute l'équipe de Gristettes. Mais un big up pour Jean, j'aime beaucoup Jean. S'il nous entend. Il est nature et oui. Très agréable de lui parler. Et on a ressorti des personnes, c'est des moments qui nous marquent, mais effectivement, pas oublier de remercier tous les invités qui sont passés derrière. Il y a eu plein de moments magiques et magnifiques parce qu'il y a eu. On n'a pas de chiffre d'ailleurs, on vous le redonnera bientôt et prochainement, mais effectivement. On a le chiffre mensuel, mais du coup, on vous redonnera la l'année. Et c'est toujours de super moments, on apprend tout plein de choses avec vous. Il y a nos invités à nous, il y a les invités de Manénette, etc. Donc, voilà, invité qui m'a marqué, moi j'étais juste technicien. Oui, pardon, ouais. C'était Jean Garletta qui a plein de choses vraiment passionnantes à raconter à travers ses sculptures, et vraiment un homme passionné qui est en expo tout l'été du côté du dauphin pour les 400 vous pouvez, ans. Vous pouvez alors j'ai vraiment été absorbé par ses réponses dans l'interview. Voilà, ben on va remettre le cador de la deuxième catégorie, le cador de la meilleure émission enregistrée en un été. Fatoumata Sylla pour Mousso. Fatoumata Sylla pour Cora et Fatoumata Sylla pour Il est con, lui. Il y a tellement de cons à la web radio collective. Et le cador. On peut se la remettre. On réécoute le cador pour Fatoumata Sylla pour Il est con, lui. Il y a tellement de cons à la web radio. Il y a tellement de cons à la web radio collective. Merci, Fatou. On t'envoie le cador. Cador, on rappelle tes émissions Mousso et Cora qu'on a pu découvrir en début de saison 2017 jusqu'à décembre et janvier. Mousso qui parlait des femmes et Cora qui parle de la musique du monde, Afrique et Antilles. Merci beaucoup. On passe à une autre question. Est-ce que vous avez votre émission la plus drôle de l'année? Une émission drôle? Non? Moi j'ai répondu à toutes les. Ah! Mais la plus drôle, forcément, pour le coup, deuxième fois nommé ce soir, mais. Les Gristettes. Ouais, je vais dire ça moi, aussi. Pendant les Gristettes, je suis explosé de rire par rapport aux échanges qu'il peut y avoir. Et puis, les jeux un peu qui tordent l'esprit de Philippe et puis tout ce qui se passe pendant l'émission. Donc, je trouve ça très drôle. Et je crois que Inès avait un petit jeu. 21 émissions ou projet de collective cette saison. Ah. Bah. Alors, on va jouer ensemble avant de remettre ton cador. Enfin, le prochain cador. D'accord. Hein. Bah, en fait, je pensais et je sais qu'il y a plus de 21 émissions et événements. Donc, je vous propose d'essayer de le trouver. Et voilà, on fait un petit tour avec le 21. On parle chacun notre tour et on monte jusqu'à 21. On va commencer si vous avez à vous compris le jeu. Il faut donner soit une émission... Soit un événement couvert. Ouais. Voilà. Et on va jusqu'à 21. C'est parti, Bruno. Le double dash. Le double dash. Ok. On va dans cet ordre-là. Ouais.
On a. Eh ben, elle aime son quartier. Les Grisettes. Chemin d'aventure. Metal Freaks. L'apéro live. L'apéro live. À Greg. Plein écran. Et on revient à Bruno. Saison 1, épisode 1. Before Key Swing. Enquête métier. Public Events. Meta Historia. À tout compte. Playtime. Hop, point sur le. On est à combien là? 12. On est à 12. Chill Time. Chill Time. La fête de quartier. En fait, on a 14. Non, ouais. On est 7. Ouais, pardon. 14, j'ai oublié un. 14, on est donc 16, à 15 maintenant. 16 avec la fête de quartier. Et je vais vous donner. L'apéro live, il n'a pas été dit? Si, ouais, si il a été dit. Oulala, attention. Éliminé. Bah, je prends, je prends mes responsabilités. Tea time. Il n'a pas été. Non. Ah non, il n'a pas été dit alors. L'interne show. Clap ciné. 15, 16, 17, 18, 19. Ah, ça devient dur. Les bouillonneurs du cru, ça passe? Ouais. Allez. 19. La Sonothèque. La Sonothèque. Et puis, en termes de projet, je vais dire Fausse Remuée. Et voilà. 21. 21. Ça y est, 21. Le 21. 21. Waouh. Wow. 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 Ça a été bien pensé, ce jeu. Ouais, super. Alors, on revient au Cador. Le prochain Cador dans la catégorie. On va le remettre. Non. Jingle. Tu veux que nous on le remette? Le cador de la meilleure Positive Vibration dans tout ce qu'elle fait. Ah oui, tu peux. Inès Silva. Da Silva. Inès dos Santos da Silva. Inès dos Santos da Silva. Pour l'entièreté de ces talk shows. Inès Da Silva pour les Grisettes. Inès Da Silva pour des histoires à raconter. Inès Da Silva pour Le Peuple qui Danse. Et le cador revient à Greg. Greg Constantin. Inès Da Silva pour Des histoires racontées. Bien joué Inès. Merci, je te remets le cador. Bravo, bravo. Allez, deuxième catégorie, on enchaîne avec une autre catégorie. J'ai plus de... Ah, c'est compliqué là, en extérieur. Prochaine catégorie, c'est parti. Le cador de la meilleure écrivaine de la radio. Sont nommés Léa Piocolin pour Billet d'humeur. Léa Piocolin pour Newsletter. Et Léa Piocolin pour Post Facebook. Et le cador revient à... Vous l'aurez compris, Léa Piocolin pour Billet d'humeur. Bravo, bravo Léa. Léa. Je suis émue. Pas hésiter si vous avez un petit mot à dire avec toute l'émotion que ça procure. Mais... Inès, tu gardes le tien, Léa, tu gardes celui qui est là-bas, du coup. Voilà, c'est mon petit cador. Ça, c'est Fatou. Le meilleur événement que vous avez couvert, alors vous parlez de Cherbourg, est-ce qu'il y a d'autres événements qui vous ont marqué dans la saison? Inès. Bah, il avait IF. Il y a IF. Ah, c'est un beau projet. Il a prochainement Grisettes en live. Il y a les Grisettes le 4 juillet, ouais. 14h. Je pense que c'est, va être le meilleur événement pour moi de cette saison-là. Donc... Et quoi d'autre? Bah, je sais pas trop. Oui, donc les Grisettes, on vous donne rendez-vous 14h à 16h dans l'amphi Jean Genestou, au-dessus de la médiathèque, premier étage. Et là, c'est ouvert à tous, il y a 80 places. Et ça va être rempli. Hein. Hugo, l'événement, l'événement vraiment, l'événement alors, à refaire. Tout à l'heure, j'avais parlé de nos potes Nina Simon et Lisa Simon. La radio permet de rencontrer sur les événements, comme ça va peut-être se passer à Rock in Évreux, Martin Solveig, etc. Donc c'est des bons moments. Mais du coup, moi, celui que j'ai préféré couvrir, pour la petite anecdote, c'est, je vais dire, c'était particulier parce que je ne sais plus ce qu'on avait fait le samedi. On avait déjà bossé, je me demande si on n'avait pas fait un 21 ou Forum des Assos ou Porte Ouverte. Et on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Le lendemain, il devait pleuvoir. C'est le début d'année, c'est la fête de quartier. Putain, ça va être particulier, ça va être bizarre. On avait une petite nuit dans la confidence. Et on a été là-bas avec Katharina, Inès, Pierre, je crois. J'espère que j'oublie personne, Greg. Et du coup, on s'est retrouvés au quartier de la Madeleine. Et moi, j'ai adoré couvrir ce moment-là parce qu'il y a eu des témoignages de personnes, des gamins qui sont venus autour du micro. Et c'était très authentique, très vrai. Donc je vais dire la fête de quartier à la Madeleine. Vous pouvez avoir un petit mash-up de ce qui s'est passé avec les enfants, notamment grâce à Bruno pour le jingle de LM Son Quartier. Yeah. Ah ouais, vous avez repris. On a repris, yes, évidemment. Excellent. Exact. Cool. Prochaine catégorie, le cador de la meilleure communication à la radio.
sont nommés Greg Constantin pour la page Facebook. Greg Constantin pour la proc Facebook. Je rigole bien sûr, on reprend. Sont nommés Katharina Biblon-Frova pour toutes les affiches et communications de la radio. Katharina Bilbon-Saké pour la programmation Facebook. Et enfin, Katharina Bilbon pour la gestion du site. Le cador revient à Katharina Biboufova pour la proc Facebook. Ah, faut lui remettre, hein. Je sais pas où il est. C'est quatre personnes différentes. Ah, il y a Will qui vient. Merci. Le cador. Oh merci, Will. Le cador. De la meilleure communication pour Madame Katharina Biblofrova. Dit Katoche, mais c'est... Dit Katoche. Merci. Alors, enchaîner un deuxième ou poser la question, hein. C'est toi qui vois. Ah bah Kat, tiens, tu viens de recevoir un prix. La question est la suivante. La meilleure personne avec qui tu as travaillé cette année? ou plusieurs, hein, mais vraiment les personnes... Je vois que Inès me fait les clins d'œil. Et elle me montre qu'en fait, c'est elle qui m'a nourrie. Du coup, Non, mais je dirais toujours Inès parce qu'elle est toujours là. Vous, vous ne bossez pas samedi, par exemple. Et elle est toujours là. Du coup, c'est Inès. Et j'ai envie de dire, c'est très rigolo comment Inès fait les clins d'œil parce qu'elle est faite avec les deux en ouais, même temps. Ouais, elle fait avec les deux yeux. Avec la tête, elle hoche la tête. Et puis vous dites aussi, vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Ouais, c'est pour ça en fait. C'est bien de bosser ensemble et vivre ensemble et prédiscuter ensemble. C'est génial. Toujours ensemble. Ouais, même pendant un match du Portugal. Ouais, pendant le match du Portugal, je suis dans le coin parce que j'ai peur parce qu'elle est trop vigilante. En fait. Bah, ça va être compliqué. Je suis normal. J'ai hâte de voir France-Portugal en quart de finale. On va le voir. Bientôt. Greg. Hey. C'est difficile comme question en France, mais tout le monde a dos. Non, bon, on va se mettre les autres personnes. Non, non, pas il du tout. Est con, lui. Il y a tellement de cons à la web radio. En plus, pas tout. Pas tout. Reviens. J'ai des clins d'œil aussi là. Non. Même Hugo. Même Hugo, des clins d'œil. Moi. Bah, j'hésite un peu, du coup, je vais en nommer deux. Tu as le droit. Il y a Pierre, j'aime beaucoup sa façon d'animer, c'est toujours très plaisant d'être à la technique ou au chroniqueur et d'écouter. Voilà. Et Inès, parce que c'est la bonne humeur et oui, ça fait toujours plaisir chaque jour, hein. Avec le petit accent. Bruno, avant de t'entraîner pour les rafios qui tanguent, est-ce que tu as une petite personne qui t'a, avec qui tu as bien bossé cette année? Bah moi, je vais dire toute l'équipe. Toutes les... J'ai pas de préférence sans faire le pari. En vrai, c'était cool avec, avec chacun. Surtout avec Hugo. Non, je suis très content d'avoir bossé avec tout le monde, ouais, en particulier. Pour chacun ses raisons. Par exemple, toi, t'animes très bien. Inès fait très bien à manger. Je rigole, tu trouves des bonnes idées de jeu et tout, c'est cool. Étant donné que c'est 2 heures de ma semaine, l'animation, j'espère qu'il y a autre chose aussi. Non, mais dans le global, c'était cool avec tout le monde. Voilà. Hugo. Ça passe aussi. Bon, je remercie tous ceux qui me supportent pour bosser avec moi. On va le faire dans ce sens-là. Et puis un petit clin d'œil à Bruno parce que je viens souvent à l'arrache, mais Katharina en parlait tout à l'heure parce que quand on arrive à l'arrache, c'est pas toujours évident. C'était Greg au début, puis Bruno, mais c'est vrai que je vais aussi dire Inès parce que c'est un vrai rayon de soleil. Et puis quand je la vois arriver ou qu'il pose telle question, c'est vrai qu'on comprend pas toujours tout. Mais ouais, c'est arrivé. C'est un vrai rayon de soleil et du coup, ça fait plaisir. Et puis comme Bruno, bien sûr, ça passe bien avec tout le monde, mais vraiment un très joli rayon de soleil, ça fait plaisir. Et on finit le tour, alors Inès. Non, en client. Et Léa. Pour moi, j'aimais travailler avec vous tous parce que chacun a une qualité différente. Tu animes très bien, je me sens très bien faire. La question n'était pas faite pour se rincer. C'est même pas moi qui composais la question. Oui, c'était moi, je le sais, mais en fait, je peux pas dire un seul personne parce que je travaille un petit peu avec tous les mondes et je me sens vraiment très bien à travailler avec vous. Et je pense que vous êtes tous dans ma liste. Checklist, okay. Checklist du sélectionneur. Léa. Ah, et un petit coucou à Guillaume. Parce et petit que... coucou à Guillaume, j'allais lui faire. Mais parce tu que m'as devancé. Je travaille très bien avec lui. Et gros bisou. On te fait un bisou, Guillaume. Léa. Bah, justement, moi j'aime tout le monde, mais j'allais dire Guillaume. Super. Il a toujours des bonnes idées. Il aime beaucoup parler et râler aussi. Mais c'est sympa. Donc voilà. On va lui remettre un cadeau aussi. Et toi, Pierre, J'ai envie de dire tout le monde, et même en comprenant Fatou, Guillaume, tous ceux qui ne sont pas là. Bien sûr, ouais.
Lily, Vincent, vraiment tout le monde, parce que sur cette saison, il y a eu du monde. Il y a eu du monde. 2017-2018. Yes. Allez, on remet le prochain Cador. Attention. Beaucoup de nommés pour ce prochain Cador. Le Cador du meilleur technicien radio. Greg Constantin pour plein écran. Et Greg Constantin pour Playtime. Et Greg Constantin pour PQD. Peuple qui danse. Peuple qui danse. C'est, vous voyez, j'ai même pas écrit mes fiches, tout. Greg Constantin pour Chemin d'aventure. Greg Constantin pour saison 1, épisode 1. Ou alors Greg Constantin pour toutes les vidéos du talk show. Depuis que tu as épaulé Vincent. Attention. Le Cador revient à Greg Constantin pour PQD. Bravo. Parce que je trouvais ça marrant, PQD. Bravo Greg, on te remet le Cador. Est-ce qu'il nous en reste? Bien sûr qu'il nous en reste. Émilie qui remet un Cador. Émilie qui doit venir remettre le Cador. Hop, il y en a un par terre. Émilie, je t'en prie. Oui, oui, il a remis un Cador. Ah oui, il a remis le Cador. Super. Il en aura deux. Émilie lui en donne un deuxième. Voilà. Attention de ne pas en avoir trois, ça pourrait porter à confusion. Le Cador du débat de la radio. On enchaîne. Son nommé. Guillaume Bourda pour ce débat dans Rock'n'Rim. Et Guillaume Bourda pour ses débats dans Apéro Live. Guillaume Bourda dans ses débats, même là, pour Meta Historia. Ou Guillaume Bourda pour ses débats dans saison 1, épisode 1. Et le Cador revient à Guillaume Bourda pour Apéro Live. Bravo. On remettra à Guillaume. On te refait un bisou, Guillaume. Il n'avait pas, pas été nommé pour Guillaume Bourda pour ses débats en dehors des émissions. Ouais. En dehors des émissions, on aurait pu mettre aussi. Le Cador de l'improvisation, Hugo Dupont pour le talk show. Hugo Dupont pour le Before Key Swing. Hugo Dupont pour son improvisation dans Tea Time. Ouais. Et le Cador revient à Hugo Dupont pour les talk shows. Bien joué, Hugo. Le dernier Cador. Il en reste encore ? Oui, non, il en reste un, là. Bon. En tout cas, c'était bien trouvé, parce qu'effectivement... il en reste deux, hein. Non ? Il en reste plusieurs. Bon, je vous propose encore un Cador, encore une cérémonie de Cador. Allez, c'est parti. On enchaîne. Le Cador du professeur. Il reste 5 minutes. Le Cador du professeur de la radio, Vincent Lardier, pour vidéo de talk show. Ouais. Vincent Lardier pour ses formations... Radio King. Ou Vincent Lardier pour ses jingles. SVE, flash. Dédicace. Et le Cador revient à Vincent Lardier pour ses formations Radio King. Bien joué, Vincent. Yeah, Vincent, big up à toi. On te remet ça. Est-ce qu'on avait une dernière question à voir ensemble? Moi j'ai un Cador. Hein. Le Cador, moi j'en ai encore aussi pour les internautes. Ben moi j'en ai un là quand même. Cador de le mieux animateur radio. Son nommé Pierre-François pour les talk shows du 21. Pierre-François, le mieux animateur enquête métier. Pierre-François, le mieux animateur histoire à raconter. Pierre-François, le mieux animateur Christette. Pierre-François, le mieux animateur la playlist Luciole. Pierre-François, le mieux animateur élève son quartier. Pierre-François, le mieux animateur pour Mona Lisa. Attends, la musique. Et donc c'est une cérémonie interminable et le vainqueur est, je te laisse, Pierre-François, meilleur animateur pour les talk shows. Je récupérerai si j'en fabriquerai, hein. C'est... merci à Aurélie d'ailleurs qui nous a aidé à fabriquer ce Cador. Merci. On salue Aurélie. Très beau Cador. Et enfin le dernier Cador, c'est pour vous chers internautes qui nous ont suivis tout aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un panel d'internautes? Ouais, alors qui nous a suivis aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi j'ai plus de batterie, mais sinon sur les community managers, y a Marie-Ange, on a Marie-Ange, on a Vincent, on a Clémence, on a... j'ai oublié, mince. Il y a Vincent Lardier, Fabien Rier, Mika, je deux. Ouais. Et je vois pas le reste. Ok. Il y avait Marie qui a parlé aussi. Ouais. Je vais essayer d'avoir. Donc je vais remettre la catégorie du meilleur commentaire. Véro et Fabrice aussi, Véro et Fabrice. Du live. Dans la catégorie des meilleurs internautes sont nommés JB Blade pour J'ai gagné encore un panier garni. Pauline pour J'ai gagné 3 t-shirts et 4 CD. Fabien pour son commentaire d'aujourd'hui. Vincent Lardier pour nous avoir suivis à chaque fois. Marie-Ange pour ses nombreux cadeaux et ses nombreux commentaires.
Marie Piloulou. Marie Piloulou qui nous suit. Je vous en prie, vous pouvez aller donner tous les internautes. Vous en avez d'autres ? Non. Ah, on a été suivis en Ukraine, au Portugal quand même. Fabien qui nous a bien aidé. Bien sûr. Avec quelques soucis informatiques. Et le Cador revient à Fabien Rier pour ses commentaires et l'ensemble de son œuvre. Tu pourras récupérer le Cador, Fabien. Bien joué. On salue aussi Antoine Crevon qui nous a bien aidé au 21. C'était cette saison. On salue tous les bénévoles qui nous ont aidés cette année. Je pense au 21, mais pas que. Je pense à plein écran, toute la bande, Pierrick, Hachou, Hartung. Hachou, pas confondre avec Hachou. Hartung, Le Duc, mercredi. Je pense à Patrick Datoukonte, Matt Time, Mathieu, qui nous fait des chroniques histoire. Merci aussi aux lycéens, pour leur projet. Merci à Enzo, merci à Lambert. À Lambert, Wilson, monsieur Lambert, bien évidemment, qui fait Meta Frix, oui. Je me trompe pas. Qui vous allez pouvoir retrouver avec Liane d'ailleurs le 30 juin pour la radio jeunesse. Pour la radio animée au Carrefour Jeunesse à partir de 13h30 à l'espace des Tanneurs. Merci à Inès, merci Léa, merci Will. Merci à vous. Merci Kat, merci Greg, merci Émilie. Merci à tous les stagiaires d'ailleurs qui sont venus. Merci à Alex pour son Alex Power Club, pour sa Coupe du Monde. On te souhaite bonne chance. Le 28 juin, prochain match si vous voulez suivre Alex. Merci Bruno, merci Hugo. On termine là-dessus. Merci à tous. Il est 14h15, 2h15 de live pour vous. On se retrouve le 20 septembre prochain. 20 sur 20. Pour le 20 sur 20. Salut. Radio Collective. Avec le vieux jingle.